Bonjour les amis, bienvenue dans Vive l'Europe. Bonjour Thomas. Salut Daniel. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oh bah, c'est tout naturel. Merci d'avoir été le premier. Bah, alors, les gens vont se dire que c'est parce qu'on est amis que je t'ai fait venir en premier, que c'était du favoritisme. En réalité, tu as été le plus facile à booker. Tu t'es tout de suite lancé. Dès que j'ai proposé l'émission, le concept... Bah oui, moi de toute façon, on m'invite, il y a un coup à boire, je viens, hein, donc il y a absolument et y a à boire, aucun souci, il y a à boire. Directement, on fait péter les règles dès le début, quoi. Voilà, la loi est 20. Hein, voilà, bon, je t'ai pris de la Grimbergen, c'est pas terrible, mais j'avais pas mieux sur le moment, quoi. Oh, donc, ça va, tu sais, moi je suis pas... T'es pas difficile, pas bégueule, non. Ouais, très bien. Bon alors, quelques petits mots avant d'interviewer mon ami Thomas. Je suis assez ému de commencer l'émission parce que ça fait longtemps que je vous en parle. Ça finalement, ça s'est mis en place peu ou prou, quoi. Donc merci d'être là, merci de m'encourager, merci à toutes les personnes qui m'ont donné de l'argent pour que les choses se mettent en place. Tu vas un peu essuyer les pots cassés parce que j'ai commandé une caméra, elle n'est pas arrivée à temps pour ça. C'est pas grave, tant qu'on est filmé, voilà. Il y a quelque chose. Il faut bien commencer par quelque chose, je ne voulais pas repousser indéfiniment. Je vais vous dire que bien sûr, tout au long de l'année, on aura des invités diverses et variées. Je ne les annonce pas tous parce que je vous fais des surprises, mais on aura Adrien Bozit, on aura Éloïse Vernet, on aura également Jérôme Bourbon. Vous savez que on pourrait croire que nous deux, on était un petit peu fâchés, mais il a eu la gentillesse et l'ouverture d'esprit d'accepter de venir me voir. Un peu plus tard, on aura Hervé Ryssen. On aura également... pour le côté culturel, bien sûr, on aura des rappeurs, on aura des écrivains, des poètes. On aura également le chanteur, le leader du groupe Peste Noire. Je sais que dans le milieu, c'est quelqu'un d'assez apprécié. Et bon, différentes surprises, enfin, je ne vais pas m'attarder, vous verrez ça petit à petit. Et une dernière petite chose avant de lancer l'émission elle-même, je reprends aussi le côté rencontre nationaux. Alors si vous voulez en fait vous présenter, vous êtes un homme, une femme célibataire et que vous avez envie de rencontrer un petit Français ou une petite Française, eh ben, n'hésitez pas à venir, vous assister à l'émission, et puis à la fin, je vous fais passer, vous pouvez vous passer votre petite annonce. Voilà, voilà. Thomas, on est parti. Alors, écoute, on va partir du principe que tout le monde ne te connaît pas forcément. Donc, dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est, en quelques mots, que tu nous dises qui tu es. Qui es-tu, Thomas Joly, quoi ? Bah écoute, c'est un vaste sujet. Bon, oui. J'ai pas trop l'habitude de parler de moi, plutôt que de mes convictions politiques. Oui. Bah écoute, je viens d'avoir 40 ans, je suis militant politique depuis plus de 20 ans. Ouais. Je suis fonctionnaire de l'Éducation nationale et voilà, je suis marié, j'ai 3 enfants, j'ai fait des études de droit, de Sciences Po, voilà. Ouais ouais. Donc en fait, en plus de ton boulot militant et politique, tu as quand même un travail à côté, quoi, c'est ça ? Oui, 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 bien sûr, je pense que c'est aussi essentiel en politique, c'est de ne pas être déconnecté de la réalité. Oui. Pendant un temps, j'aurais pu être permanent du Front National, on m'avait proposé, et en fait, je vais refuser parce que après, déjà, on est liés politiquement, ouais. Oui, et en plus, on est un peu déconnecté du monde réel. Donc, c'est sûr qu'à partir, arrivé à un certain niveau politique, on ne peut plus forcément assurer une activité professionnelle. Ouais. Mais bon, c'est pas mon cas, loin de là, ouais. Et ça nous permet de rester connecté au monde réel. Je crois que si plus de politiques travaillaient réellement, ouais. Oui, oui, bien sûr. Ça permettrait peut-être une meilleure prise en compte. C'est-à-dire que quand tu parles de sujets sociaux, on va dire, qui ont trait au milieu du travail, toi tu le connais ce milieu du travail. On sait qu'il y a plein de politiques qui n'ont jamais bossé une seule seconde. Hein. Oui, exactement, c'est pour ça, bon, ça, puis entre autres, puis j'ai les mêmes problèmes que les Français, voilà, je me fais gauler au radar comme tout le monde, ouais, voilà, ouais. Voilà, bon, j'ai du mal à boucler les fins de mois parfois, enfin un peu comme tout le monde. Ouais, oui, bien sûr. C'est vrai que si je gagnais au loto, je serais content aussi et j'arrêterais de bosser. Mais, sûr. Mais voilà, donc ça me permet de rester connecté avec le pays réel, dirons-nous. D'accord. Ouais. Et moi, ce que je voulais te demander, en prélude un peu à cette présentation générale du Parti de la France, c'est... Bon, tu te définis comme patriote, on va dire. Le mot, est-ce qu'on peut utiliser ce mot-là ? Oui, ou même nationaliste. Hein. Moi, nationaliste, ouais. Voilà, je suis de droite nationale. Voilà, c'est ce que je dis régulièrement. Moi, je n'hésite pas du tout le qualificatif de droite. Ouais. Personne n'ose s'affirmer de droite. Moi, je suis clairement de droite nationale. Je suis clairement réactionnaire. Je n'hésite pas à prendre tous les mots que plus personne ne veut prendre. C'est vrai. Si, ouais, c'est vrai que c'est un qualificatif qu'on rejette, être de droite. Hein. Oui, maintenant, ouais. Plus personne n'est... Alors évidemment, il y a le côté être de droite avec la fausse droite, on va dire, parlementaire et républicaine, évidemment. Je ne suis pas de cette droite-là, oui, je suis de la vraie droite, oui, oui, oui. Dirons-nous. la droite morale, la droite traditionnelle, on pourrait dire quoi. Là. Oui, voilà, enfin, vous êtes non plus complètement ringard, quoi, voilà, c'est pas la droite moraliste et tout ce qui s'ensuit, non, voilà, être véritablement de droite dans les convictions, dans l'état d'esprit, dans l'attitude, dans le... Voilà. On remet la différence, en fait, moraliste, on va dire, les personnes qui donnent sans arrêt des leçons, la morale, c'est quand même des choses très claires. Oui, bien sûr. La peine de mort, sur des sujets comme ça, enfin, voilà, ce qu'on appelle être réactionnaire. Voilà, exactement, ouais. Et comment en fait, sans forcément rentrer dans le détail, tu sais, de la philosophie, genre comment on se construit individuellement, c'est pas vraiment ça ma question, mais comment t'en es arrivé à être nationaliste en fait? Tu penses que tu l'étais un peu comme Obélix, quoi, t'es tombé dans la marmite tout seul, ou c'est la vie qui t'a conduit vers ça? Bah, je crois, alors beaucoup disent oui, je me suis intéressé à la politique parce que j'ai pris une conscience sociale quand j'étais dès mon plus jeune âge. Bon, souvent c'est des conneries en fait quand on s'intéresse au Front National, parce que bon, quand on n'a aucune culture politique et qu'on s'intéresse à la politique et qu'on va dans ce sens-là, c'est pour aller 99% des gens parce qu'ils en ont marre de se faire emmerder par des Noirs et des Arabes. Voilà, c'est l'immigration, c'est la colonisation migratoire. Et moi, dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai vu qu'il y avait un contraste saisissant entre les conneries qu'on nous apprenait à l'école, le bourrage de crâne antiraciste, et en fait la réalité. Parce que qui t'emmerde dans la cour de récréation, bah, c'était les petits camarades arabes. Qui va t'emmerder quand tu vas à la patinoire, quand tu vas à la piscine, c'est les Afro-Maghrébins, systématiquement. Donc là, évidemment, c'est une prise de conscience, on va dire, sur le tas, parce que c'est la réalité. Et à l'école, on t'apprend que non, c'est formidable l'immigration, que voilà, ça ne pose pas plus de problèmes que... Et toi, tu vois les problèmes, tu les as, quoi. Je sais pas si toi, t'as connu, t'avais des salles de jeux d'arcade. Je sais pas si maintenant, je crois que ça se fait. J'étais à la limite où j'ai encore vécu ça. Voilà, et ben, t'allais là-bas, tu te faisais raqueter par des bandes de Noirs et d'Arabes. Systématiquement, c'était toujours eux. Mais... on t'apprenait à la télé, à l'école, tu ne vas surtout pas dire ça, que c'est pas vrai, que ton voleur pouvait très bien s'appeler Paul, Pierre ou Jacques, sûr, mais sûrement pas Mohamed, oulala, fallait pas le dire, déjà à l'époque, parce que bon, je suis pas un poulain de l'année, hein. Déjà, donc, cette prise de conscience, et puis après, de voir, très rarement à l'époque à la télé, le seul qui disait ce que beaucoup pensaient tout bas, et qui disait tout haut ce que c'était Jean-Marie Le Pen, c'était un plaisir, parce que même quand t'es gamin, que t'as aucune culture politique, tu comprenais ses discours, et tu te retrouvais dans ce qu'il disait. C'est intéressant ce que tu dis, parce que même moi, quand j'avais aucune culture, j'avais 12 ans, donc on est aussi con qu'on peut l'être à 12 ans. Quand j'écoutais Jean-Marie, j'avais la sensation d'avoir la vérité, sans trop définir vraiment dans quelle mesure, mais j'avais l'impression que lui ne mentait pas en fait. Ah, et puis, je veux dire, ce qu'il dénonçait, personne ne le dénonçait. Il était honni par les médias, par la classe politique. Mais en attendant, ce qu'il disait, c'était un discours de vérité. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça résonnait avec la vie, quoi. Alors, je vais pas dire non plus que j'ai été persécuté par les Afro-Maghrébins tout le temps, mais j'ai rencontré des problèmes qu'on rencontre dans toutes les grandes villes, c'est-à-dire des problèmes d'insécurité liés à l'immigration. Donc, moi, je n'hésite pas à dire que c'est ça, parce que souvent, on dit, oui, mais voilà, c'est un traumatisme de jeunesse, il s'est fait emmerder, donc maintenant il veut sa revanche, ce genre de choses, ces baisses d'analyse de comptoir absolument insupportables, de gauchistes, de sociologues subventionnés. Donc voilà, mais oui, c'est normal qu'on réagisse à l'immigration, ça s'appelle l'instinct de survie, ça s'appelle pas de la névrose compulsive, non, c'est un instinct de survie. Bien sûr, on se raccroche politiquement à ce qui défend le plus la France et les Français. L'insécurité est un sentiment palpable, et on peut dire, moi par exemple, j'ai toujours été plus grand que les autres, donc c'est vrai que je me suis assez fait rarement emmerder. Alors que, bon, on va dire, mon côté un peu artiste m'y prédestinait un peu, ce côté un peu fragile, mais il n'en demeure pas moins qu'on le constate à travers ce qui arrive aux autres. Il suffit en fait à une soirée qu'on raconte qui s'est fait emmerder et par qui, et c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Et alors aussi, c'est quand on décide de réagir virilement à cette immigration agressive, c'est certain qu'on n'a pas forcément la vie facile, que ce soit au collège ou au lycée. Bon, voilà, j'étais assez bagarreur à l'époque, donc forcément, en général, tout le monde se taisait. Si dans une soirée, une bande d'Arabes emmerdait le monde, bon, avec des copains, on y allait, quoi. On les cherchait pas, on n'était pas des provocateurs. Mais à partir du moment où tu réponds, bah déjà en général ils s'y attendent pas trop, et après bah, tu peux avoir de gros soucis, hein. C'est sûr que bah oui, forcément, parce qu'en général, parce qu'en plus c'est là aussi qu'on voit la différence de civilisation, c'est qu'en fait une bagarre entre Français de souche, en général, ça s'arrête. Je veux dire, les mecs, ils vont pas aller te chercher dans la rue, te suivre, essayer de trouver où t'habites, essayer de te retomber à 10 ou 15 dessus. Bon, ça peut arriver, mais je veux dire, il y a quand même, c'est ça, c'est un degré de civilisation. Voilà, tu te chicanes la tronche, et puis bon, bah après, même si tu te recroises, bon, tu peux te toiser, mais ça s'arrête là. Tandis qu'avec les Afro-Maghrébins ou avec les Gitans, les mecs vont te chercher tout le temps. C'est-à-dire que tu sais que tu pourras plus sortir tranquille, tu pourras plus être tout seul, les mecs vont te chercher. Et Il y a une rancune tenace. Ah bah, une rancune tenace, parce qu'ils comprennent que le rapport de force, à partir du moment où ils ont été dominés, ils sont dans une frustration totale. Et eux, ils vont aller jusqu'au bout. Moi, j'ai eu des problèmes aussi avec des gitans, comme par hasard. Hein. Bon, je sais que j'en avais bien allumé un jour. Oui. D'ailleurs, je m'étais réveillé le lendemain avec un bout de dent carrément sous la peau. Bon, attends, je suis pas en train de dire... Non, mais... Je raconte une anecdote. J'en ai pris aussi plein la gueule. Mais j'ai su après que le mec, en fait, vu que je lui avais cassé la gueule, c'était à la sortie de boîte de nuit, ça n'avait rien de politique. Hein, d'accord, et que le mec, en fait, me cherchait pour me suriner. En plus, je me souvenais plus trop de sa gueule. Je pouvais très bien me faire agresser, tu vois. Ouais, il y avait une rantaine, en fait. On recherchait Thomas Joly, quoi. Et voilà, bon... Je veux dire, j'ai survécu, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, moi, ça me viendrait pas à l'idée. Un mec me casse la gueule, je vais pas. Voilà, le mec devient fou et veut planter. Et puis, bon, les gitans le font. En général, voilà, c'est que... je vois le distinguo que t'opères, c'est vraiment, tu sais, c'est comme on voit dans les westerns, c'est cette violence cathartique presque entre amis, où tu vas te péter la gueule parce que t'as bu un verre de trop, mais le lendemain, en fait, ou soit on a oublié, soit en fait on s'est même réconcilié, quoi. Alors qu'il n'y a pas du tout ça en fait avec les autres. Ah non, il n'y a pas ça. Et puis il faut savoir que eux, pendant qu'en fait les Français de souche se dévirilisent, eux, c'est voilà, eux vont dans les clubs de les clubs de sport, enfin d'arts martiaux, de boxe ou ce genre de choses, pendant que les Français se dévirilisent. Donc, et en plus, il y a toujours le rapport de force, rapport de force. Et c'est aussi pour ça qu'on voit, il y a jamais, c'est très rare que t'aies une bagarre à la loyale en 1 contre 1 avec un Afro-Maghrébin. Ça n'arrive jamais. C'est rare. C'est systématique. Ils attaquent en groupe, en meute. Et ça, tout le monde l'a connu. Quand tu te fais emmerder, ça n'arrive jamais. Allons-y, voilà, sur le pré à 5 heures. On se me regarde, non, le mec il va t'arriver par derrière en te pulvérisant un cendrier sur la tronche, tu vois. Ça c'est la technique afro-maghrébine de combat, et à 10 contre 1, c'est toujours mieux, c'est très rare. En tout cas, c'est ce que l'expérience de ta vie t'a montré, quoi. Bah, écoute, oui, et à mon avis je suis pas le seul, en général c'est rarement, quand tu te fais racketter, c'est rarement un arabe tout seul, ou alors il va venir te voir tout seul et t'en as une dizaine autour pour bien te faire comprendre que si t'es pas d'accord, tu vas morfler. Donc voilà, ça il faut le prendre en compte. Si tu réagis virilement, c'est sûr que ça peut te poser des problèmes. Alors tu suscites l'admiration, évidemment, de ceux qui n'osent pas, en fait, mais après, bon, c'est sûr que c'est déjà l'engagement politique commence par le fait de ne pas baisser la tête devant eux, mais ça te pose aussi des problèmes. Là maintenant, à 40 balais, je ne fréquente plus les endroits que je fréquentais. Bien sûr, ça doit faire, je sais pas, 15 ans que je n'ai pas foutu les pieds dans une boîte de nuit, tu vois, ce genre de choses. Mais quand j'entends des jeunes en parler, systématiquement, ils se font emmerder par eux. Oui, tout à fait. Bah justement, je voulais te poser la question de tes premiers pas militants, c'est-à-dire comment t'es passé, on va dire, d'un jeune homme classique à quelqu'un qui veut s'engager dans le combat. Mais avant ça, je voudrais faire une petite parenthèse. Tu sais, il y a beaucoup de petits jeunes qui m'ont posé cette question à moi et à toi aussi, quand j'ai demandé aux gens ce qu'ils voulaient poser comme question à Thomas. C'est par rapport en fait à ce que pensent les parents. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup de camarades patriotes qui nous suivent et en fait sont très embêtés parce que leurs parents sont de gauche. Alors, est-ce que toi, tu aurais un tuyau à donner à ces gens-là? Comment tu te comporterais dans ce genre de cas? Et est-ce que toi, sans forcément entrer dans le détail précis de ta vie, comment tes parents, est-ce qu'ils sont un peu sur la même ligne que toi? Comment ça se passe? Alors, non, mes parents, en fait, mon père est décédé quand j'avais une douzaine d'années, et c'était un musicien, bon, il était dessinateur publicitaire, mais c'était un musicien, c'était quelqu'un foncièrement de gauche. Mais par contre, bon, j'avais pas eu de... Tu n'as pas eu l'occasion d'aller voir le fondeur. Ma mère, c'est quelqu'un qui a toujours été de gauche, mais j'ai été élevé par mes grands-parents. Il faut savoir que j'ai été élevé par mes grands-parents. Mon grand-père, ancien colonel... dans l'armée française, qui avait quand même une vision, on ne veut pas dire de gauchiste de la société en général, qui m'a permis, qui ne m'a pas du tout emmerdé quand j'ai décidé d'avoir des activités politiques. Il m'y a même, encouragé. Donc moi, j'ai pas eu ce genre de, j'ai pas eu ce genre de problème. Après, ce que je dirais, ce que j'en retiens, c'est que quand on est jeune, qu'on commence à avoir des idées politiques, on a envie de les affirmer et on est très arrogant. Et on essaie de convertir tout le monde. On supporte pas en fait la contradiction que les gens, bah voilà, soient dans la désinformation et s'y complaisent ou nous donnent. C'est vrai que j'ai eu ce côté arrogant. Alors qu'en plus, c'est moins t'as de bagages politiques en général, plus t'es arrogant et t'essaies de convaincre tout le monde et tu l'engueules plutôt que d'essayer de le convaincre en douceur. Alors moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est rentrez pas en conflit avec vos parents. Dites, écoutez, c'est mes propres convictions. Si vous voyez que ça marche pas, que vos parents se braquent, ou, bon, bah voilà, mais essayez de. Vaut mieux avoir une bonne ambiance familiale à la maison. Et et on ne parle pas des sujets qui fâchent, plutôt que de systématiquement y aller. Mais bon, ça, c'est un peu l'adolescence, on va dire, où systématiquement on va rentrer dans le conflit avec les parents. Donc, à partir du moment où conservez vos idées, c'est ce que je dirais, conservez vos idées, mais ne rentrez pas dedans à vos parents si ils n'acceptent pas votre, vos convictions radicales. En général, sauf à avoir des parents vraiment antifascistes qui s'appellent antifascistes, il y a une forme de tolérance politique dans les familles, et le mieux est de ne pas en parler afin de maintenir le socle. Voilà. Parce que la famille donne une énergie, en fait. Quand vous n'allez pas bien, vous avez du mal à trouver un job, votre copine vous a quitté, le fait de revenir dans le cercle familial, ça vous donne une énergie. Bien sûr. Et ça, il ne faut pas vous en priver pour des questions, on va dire, de fracture idéologique, quoi, parce que ça arrive dans toutes les familles, malheureusement. Et de toute façon, quand on sait qu'on a raison, il y a beaucoup plus de chances que nos parents, en fait, viennent à nos idées, plutôt que nous, on devienne de gauche. Ben voilà, ça, je veux dire, ça n'arrive pas. Ça va souvent dans un sens et pas dans l'autre. Ça va souvent dans un sens et pas dans l'autre. Donc voilà, c'est une question de temps. Si vous voyez que ça ne marche pas, n'essayez pas d'essayer à tout prix de convertir des gens qui voient en vos idées un danger pour vous-même. Parce qu'en général, les parents, ils cherchent à te protéger de quelque chose qu'ils estiment dangereux. Moi, je vois, je suis père de famille. Bon, bah peut-être, tu vois, je serais peut-être le premier à vouloir pas forcément que mes gosses s'engagent en politique. Tu vois, tu vois un peu le truc. Tu vois, les parents, il faut savoir, bah, dans la grande majorité des cas, cherchent à protéger leurs enfants. Donc le fait qu'ils remettent en cause vos opinions politiques, c'est pas forcément vos opinions politiques en tant que telles, qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne connaissent pas, mais le fait qu'ils veulent vous protéger. Donc voilà, changez de sujet et n'essayez pas systématiquement de remettre ça sur la table. Après, il y a des degrés de tolérance ou pas des parents. Il peut, y avoir des gens qui sont très cons. Donc, comme tu le dis, ça peut évoluer. Moi, je sais que j'ai pas mal d'amis qui avaient ces genre de situation. Et puis avec les attentats, on en reparlera, les attentats de Daesh, en fait, sur le sol français, on voit que dans les familles, il commence à y avoir un petit peu des questions qui se posent. Hein. Donc, vous en faites pas, ces gens-là viendront à nous petit à petit. Quoi. Donc, maintenant, je voudrais que tu me dises comment tu es entré dans le militantisme. Un peu par hasard, c'était une volonté le militantisme, en fait, il est venu au moment où j'ai pris mon adhésion au Front National. J'ai commencé à fréquenter des militants du Front National. Moi, au départ, je voulais juste prendre ma carte pour faire un acte de soutien et avoir ma carte. Je lisais la presse de droite nationale pour essayer de me construire, on va dire, intellectuellement et politiquement. Mais j'avais pas du tout vocation à militer. Alors après, dès qu'on m'a proposé de faire un collage, d'aller distribuer des tracts, tout ça, j'étais content. Mais je veux dire, c'est pas moi qui ai fait la démarche, et après ça s'est fait tout seul. Moi, j'ai jamais demandé aucune responsabilité, on m'en a confié à chaque fois. Moi, j'ai jamais demandé, j'ai été élu conseil régional, j'ai jamais, d'ailleurs c'est peut-être pour ça qu'on m'a proposé, parce qu'en fait jamais j'avais demandé à être en position éligible ou quoi que ce soit. J'ai dit, s'il y a besoin de moi pour la liste, il n'y a pas de souci. Donc du coup, à l'époque, on m'avait mis en position éligible, mais j'ai jamais demandé la moindre responsabilité, même de responsable des jeunes au niveau départemental, tout ça. On me l'a proposé, je l'ai accepté, et puis... Tu as toujours été sollicité, c'est ça, toi. Voilà, je veux pas faire la diva qui dit bon, non, c'est pas ça. Non, mais je veux dire, j'ai jamais eu d'ambition politique. Ce que je dis souvent, si je le fais, c'est aussi parce que personne d'autre peut le faire à ma place. Et si, si on débordait de militants, moi je préférerais largement passer plus de temps avec ma famille, plus de temps à mes loisirs, plutôt que d'organiser avec des bouts de ficelle et 3 francs 6 sous, des réunions politiques, de faire vivre un parti politique qui n'a aucune subvention, ce genre de choses. C'est vrai que de temps en temps, je dirais, bon bah, je serais mieux chez moi. Mais je veux dire, qui le fera à ma place? Personne ne le fera. Et puis, bon voilà, après, c'est une question de aussi. Moi, je vais pouvoir me regarder devant la glace tous les matins en me disant, au moins, je sais que ça ne devienne pas, que mon pays ne devienne pas ce qu'il est en train de devenir. Je sais lutter avec mes propres armes. J'ai pas la solution miracle, mais on dit, mais beaucoup de gens disent ça sert à rien. Dans ce cas-là, tout ne sert à rien, puisque à moins d'être à la tête d'une vaste organisation secrète et armée prête à prendre le pouvoir. Pour l'instant, on va pas avoir le pouvoir demain. Donc, on peut dire que tout ce qu'on fait ne sert à rien. Moi, je dirais, je crois que c'est toi qui l'avais dit un coup dans une vidéo. Mais que faire d'autre? Que faire d'autre? À quoi bon, c'est que faire d'autre? Voilà, à quoi bon, que faire d'autre? Dans le sens aussi où je dirais que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Tout le monde n'est pas, ne peut pas forcément être un militant de terrain, d'autres sont meilleurs sur certaines choses, mais chacun avec ses propres moyens, avec sa personnalité, avec son individualité, peut apporter sa pierre à l'édifice. et aider. Par exemple, il y a des personnes âgées qui nous aident financièrement, par exemple, qui nous donnent un petit coup de main. Voilà, il y a les jeunes, eux, s'ils ont envie. Faut pas aussi que ce soit une corvée, même si, bon, certaines fois, on fait des choses. Il faut toujours un peu se forcer quand même. Voilà, des choses forcées, mais ce qu'il faut se dire, ce que je dis régulièrement à nos militants, à nos adhérents, personne ne le fera à votre place. Personne. Il y a personne, faut pas croire qu'il y a des gens prêts à se lever derrière, un homme providentiel qui va arriver et qui va bouter tous les étrangers de France et puis rétablir la souveraineté. Non, ça va se faire, c'est nous qui le ferons. C'est rassurant de le penser, mais ça n'arrivera pas malheureusement, quoi. Bah voilà, on essaie de se rassurer en imaginant, comme on essaie aussi de se conforter dans l'illusion démocratique, en se contentant de l'offre du casting républicain, puisqu'on se dit, bon bah voilà, avec ça on essaie de se rassurer en se disant ça va suffire, mais malheureusement ça ne suffit pas. Et oui, alors moi, tout à l'heure tu as parlé du fait que tu avais également un vrai travail, on va dire, en plus de ton activité politique. Est-ce que tu peux nous dire comment tu arrives à concilier ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est compliqué, je dirais déjà sur un plan presque logistique, c'est-à-dire est-ce que tu arrives à faire les deux en te débrouillant, mais surtout, est-ce que dans ton travail, tes avis politiques sont gênants par rapport à tes collègues? Est-ce que tu as des difficultés de cet ordre-là? Alors, moi, dès le début, quand j'ai commencé à bosser, en plus dans l'éducation nationale, qui n'est pas vraiment un terreau fertile pour, c'est sûr, pour les gens de droite nationale, j'ai pris le parti de ne faire aucun prosélytisme sur mon lieu de travail. Ce qui me permet d'avoir des relations tout à fait courtoises avec mes collègues, dont certains ont évolué. Il faut savoir que le corps professoral n'est pas truffé que de gauchistes. Alors, pas des gens très courageux, mais des gens qui, petit à petit, viennent au fait... Parce que, je veux dire, voilà, l'électorat FN, il existe. Il existe aussi dans la fonction publique. Donc, moi, sur mon lieu de travail, je n'ai jamais parlé de politique. Alors, évidemment, par contre, il ne faut pas en parler non plus devant moi. Voilà, ça, par contre... Alors, là où j'ai fait mon coming out au boulot, c'était quand Le Pen était arrivé au deuxième tour en 2000. Et là, il y avait mes collègues qui s'étaient réunis au café et c'était en conseil de guerre. Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils n'imaginaient pas une seule seconde qu'il y avait dans la pièce quelqu'un qui avait voté Le Pen. Alors ils étaient en train de dire, il y avait une vieille coco qui était là, on disait, mais Le Pen, il faudrait le pendre en place publique, il faudrait le traîner son cadavre par terre, complètement hystérique et folle. Et je lui dis, alors c'est là que je lui dis, mais je dis, t'imagines pas une seule seconde qu'ici dans la pièce, il y a quelqu'un qui a voté pour Jean-Marie Le Pen. Et là, je lui dis, moi j'ai voté pour Jean-Marie Le Pen. De toute façon, ils allaient être au courant, puisque en fait, j'avais été dans la permanence du FN de l'Oise et j'étais en train de siroter une coupe de champagne derrière le secrétaire départemental et on m'a vu, tout le monde m'a vu à la télé. Donc ta joie était apparente en fait. Voilà, donc. Bon, voilà, mais c'est tout. Après, les collègues n'en ont pas parlé. Alors, je ne cache pas que à cette période-là, forcément, quand tu es repéré FN, c'était vraiment l'hystérie collective de l'entre-deux tours. Donc c'est sûr qu'avec les élèves, j'ai eu quelques petits soucis, mais bon, qui n'ont jamais été bien loin, mais c'est vrai que je traversais le hall du lycée, je me faisais huer par tous les gamins. Mais la petite revanche là-dedans, c'est que combien de ces jeunes qui m'ont insulté, qui m'ont hué, aujourd'hui votent Front National, vote de la droite nationale, mais il y en a beaucoup. Les statistiques montrent que les jeunes ont tendance à donner leur vote à un parti patriote, en l'occurrence le Front National, mais donc ça veut dire qu'il y a une évolution politique. Bien sûr, et la dernière fois j'ai fait une réunion à Beauvais, et justement je sortais cette anecdote-là, je disais combien de jeunes ont défilé contre le Front National en 2002 pendant la quinzaine de la haine, quand Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour, et combien aujourd'hui sont des électeurs, voire des militants du Front National. Et là il y a un mec, deux mecs qui spontanément ont levé la main en disant oui, moi j'ai manifesté contre Le Pen, et aujourd'hui je suis... Donc voilà, il faut savoir que la manipulation de la jeunesse, le fait d'avoir un discours de vérité, fait qu'à un moment ou à un autre, même si on arrive à manipuler la jeunesse, on n'arrive pas à manipuler complètement la réalité. Et donc quand ils sont sortis, on va dire, du cocon scolaire et qu'ils ont été confrontés à la vie réelle et au monde du travail, je crois que certains sont revenus de leurs idéaux antifascistes qu'on a essayé de leur mettre je voudrais revenir sur ce que tu dis en parlant de la campagne qu'il y a eu contre le racisme récemment. Où en fait, évidemment... Timing parfait, ils ont mis ça, tu parles des spots, là, timing parfait, attentat de Bruxelles le même jour. On dirait que Daesh a fait exprès, c'est étonnant quoi. Mais si tu regardes un peu les commentaires sur internet, ça n'est pas partagé, je dirais c'est au moins 80% de commentaires négatifs sur ces spots en disant oh, quand même, il y en a quand même marre, on a l'impression qu'il y a que les blancs qui attaquent les étrangers. C'est quand même un petit peu le contraire quoi. C'est tellement grotesque. Là ça marche plus là. À côté, voilà, Goebbels et Staline étaient des rigolos, des petits joueurs quoi. En termes de propagande, mais on a l'impression que plus l'État est fébrile, plus il en rajoute sur la propagande la plus grossière possible. Parce que, voilà, quand on voit des bandes de Français de souche qui agressent des Afro-Maghrébins, mais c'est tellement... Alors bon, après, peut-être que Ryssen pourrait nous faire un truc sur la version accusatoire, la projection, mais là, c'est tellement gros, c'est tellement grotesque. Alors il y en a peut-être encore des gens suffisamment malléables qui arrivent à y croire, mais personne n'y croit, enfin, c'est pas possible. Alors nous, c'est sûr qu'on est suffisamment lucide, mais on se dit c'est pas possible, c'est tellement grossier. Moi ce que j'ai l'impression, c'est que ce genre de propagande apporte de l'eau à notre moulin, quoi, parce que c'est tellement grossier mais bon, après on n'est jamais à l'abri. Je pense que ça catalyse les colères et ça ramène les gens à nous petit à petit. Espérons-le, souhaitons-le. Espérons-le, ouais. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que tu avais 3 enfants. Oui. Et moi, j'ai une question quant à leur éducation. C'est-à-dire que toi, tu es un militant politique. Est-ce que tu considères qu'il faut véhiculer, enfin, comment dirais-je, transmettre à ses enfants et presque leur imposer, on pourrait dire, nos valeurs politiques et religieuses pour ceux qui en ont? Est-ce que tu penses que c'est ça qu'il faut faire? Après, j'ai pas de conseils éducatifs à donner aux gens. En toute ta discrétion, alors comment est-ce que tu fais toi? Alors moi, ce que je fais, c'est je cherche surtout pas à leur apprendre des choses qui, de toute façon, ne sont pas capables de comprendre. Ils sont jeunes, oui, mes jumelles ont 8 ans, mon fils a 7 ans, donc c'est voilà, des enfants jeunes. Par contre, souvent, je mets les infos à la télé, et ils posent des questions. Ouais. Et là, je leur réponds avec bon sens. Par exemple, quand on voyait des migrants qui mouraient en mer, tu sais, à Lampedusa, qui s'échouaient, ce genre de choses, bah moi je leur disais, oui, c'est des étrangers qui veulent venir en Europe pour profiter des aides sociales. Alors, je leur dis quand même, j'ai quand même... Mais je dis, si, en gros, ce que je voulais sur... Parce que là, l'aide sociale, tu vois, déjà, ils décrochent un peu. Ouais. Et je leur dis, vous savez, s'ils étaient restés chez eux, ils seraient pas morts. Si les parents avaient gardé leurs enfants chez eux, ils ne seraient pas morts dans un esquive. Voilà, j'essaie de leur expliquer très simplement ce qu'ils peuvent comprendre de manière logique. Alors sans non plus leur bourrer le crâne, parce que je pense que ça, à un moment, tu auras un rejet. Oui. Parce qu'à un moment, il faut savoir que les parents, au moment de l'adolescence, ils passent carrément du piédestal à la dernière des cours ringards intégral. Donc si tu as été caricatural dans tes propos vis-à-vis de tes enfants, que tu as essayé de leur faire comprendre des trucs qui n'étaient pas... Ils vont vouloir s'inscrire contre. Voilà, s'inscrire contre en disant voilà, qu'est-ce qu'il est lourd, papa, avec ces trucs. Donc moi, je leur réponds quand ils posent des questions. Ouais. Je leur réponds de la manière la plus simple possible. Et c'est un exercice qui est quand même pas mal, parce qu'il faut te mettre au niveau d'un gamin de cet âge-là pour leur répondre... leur répondre quelque chose qui a du sens. Bien sûr. Pas essayer de leur faire croire n'importe quoi ou ce genre de... Donc non, je pense que les enfants, il faut qu'ils s'imprègnent par eux-mêmes. Je pense pas que ce soit non plus... moi, j'ai pas fait ce choix-là, tu sais, de mettre tes enfants dans des écoles... c'est hors contrat, c'est vrai que là, on leur... alors c'est sûr, là, je vois, dès l'école primaire, tu n'as que des contes africains. Ouais. Alors, je leur dis aux gamins, mais je dis, vous pouvez pas demander à votre institutrice à un moment que vous parliez, que les lectures que vous ayez, ça concerne des Français. Bah, bien sûr. Enfin voilà, j'ai dit une fois, au moins une fois dans l'année, une fois de temps en temps, ce serait pas mal. Et eux-mêmes ont dit, ouais, encore des trucs en Afrique. Alors voilà, ils vont être plus... tu doses, on va dire que tu doses un peu. Oui, voilà, ils vont être plus calés sur quasiment la faune africaine que sur ce qu'il y a dans les forêts françaises. Mais c'est malheureux, mais c'est vrai, quoi. Malheureusement, parce que maintenant, c'est la xénophilie permanente. Bon, ils leur bourrent pas trop le crâne, ça je suis vigilant aussi, il faut faire attention. Mais moi, je suis dans l'idée, voilà, la plupart des... Parce que beaucoup de nations disent, ouais, il faut surtout protéger nos enfants en mettant dans des écoles hors contrat, ce genre de... Donc, c'est un choix, je suis d'accord, mais il faut savoir que la plupart des nations viennent de l'école publique. Ben oui. Il y a assez peu... il y en a aussi qui viennent... Le contact avec la réalité permet aussi de former. Hein, voilà. Il faut vivre avec son temps aussi, malheureusement. Donc après, c'est aussi parce que c'est peut-être mon parcours personnel aussi. Oui. Quand mes gamins pourront plus aller en sécurité à l'école et que voilà, ils seront minoritaires en tant que Français de souche, il est possible que je les mette dans le privé parce que tu recherches toujours ce qu'il y a de mieux pour tes enfants. Mais moi, j'en fais pas une condition primordiale. Et il faut savoir aussi que les profs sont de moins en moins politisés. En fait, ils sont pas politisés. Ouais. Ils sont plutôt très conformistes, mais il y a plus, ça se perd beaucoup, ces profs, tu sais, qui étaient ces Trotsky, ces gauchistes, il y en a, mais il y en a beaucoup moins qu'il y a eu à une époque. Tout cela, bon voilà, ils partent en retraite, tout ça. En fait, le prof, c'est, on va dire, beaucoup, c'est voilà, le français apathique. Très individualiste, qui l'intéresse juste ses prochaines vacances, voilà, qui reconnaît qu'il y a un problème d'immigration, d'insécurité, ce genre de choses, mais qui va pas aller chercher plus loin. En fait, les profs, la grande masse des profs, c'est à peu près ça. C'est pour ça qu'il faut arrêter surtout de taper tout de suite « Ah, la prof, ça y est, c'est un gauchiste !» Non, en fait, voilà, c'est quelqu'un comme le français léthargique habituel et individualiste. Voilà, alors évidemment, c'est quand même un nid. C'est quand même un endroit où tu trouves quand même plus de gauchistes qu'ailleurs. En proportion, quand même. Mais il ne faut pas croire que c'est que ça. Oui. Alors, c'est marrant parce que, sans le vouloir, tu fais un pont avec ma question suivante. Par rapport à l'éducation, bon, toi, tu élèves tes enfants sont élevés dans l'enseignement public, donc. Et en fait, un certain nombre d'internautes qui me suivent, par exemple, me disent que eux voudraient partir parce qu'ils voudraient changer de pays, parce qu'ils n'aiment plus le système éducatif français. Quel regard tu portes sur l'exil? Est-ce que tu portes un regard, on va dire, courroucé? Tu comprends ces gens? Est-ce que toi, tu pourrais partir si la situation empirait? Enfin, quel est ton regard là-dessus? Ah, déjà d'un point de vue fiscal, moi je gagne au loto demain, je m'exile fiscalement. Parce qu'il faut savoir que s'il y a... Non, mais je m'attendais pas du tout à cette réponse, mais très bien. Il faut savoir que s'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux. Donc déjà d'un point de vue financier, en plus donner son argent à l'État, c'est aussi entretenir... Voilà, donc bon, bref, bon, non mais ça c'est une aparté. Ensuite, moi je ne pourrais parler que pour moi personnellement, quand je vais à l'étranger... bon, je sais que c'est pour un séjour bref, mais je suis content de revenir. Moi, la France me manque assez vite. Donc, je pense pas. Si je devais m'exiler, ce serait contraint et forcé, mais ce serait pas de mon propre fait. Et puisque j'ai choisi un engagement politique de résistance nationale, de reconquête nationale, t'imagines si le secrétaire général du Parti de la France... Pour toi, ça n'a aucun sens. Disait, non, mais moi, je vais aller à l'étranger. Ça veut dire que tu considères que tout est foutu, et ça, je ne le crois pas du tout. Voilà, moi, je pense que la reconquête nationale, la reconquête européenne est encore possible. Sinon, ça ferait longtemps que je serais parti. Ça fait longtemps, pourquoi voilà, je vais pas aller me battre contre des moulins à vent. Donc, je pense pas que l'exil soit une bonne solution. Et je suis pas certain, les gens le disent beaucoup, mais peu le font. Oui, en plus, c'est vrai, c'est vrai. Et après, s'aperçoivent que l'herbe n'est pas forcément si verte ailleurs aussi, que après il y a un esprit français, il y a un mode de vie français qui va manquer forcément à un moment ou à un autre. Donc je crois que beaucoup le disent, tu sais, bravache en disant... Ouais, mais moi le premier, je suis parfois attiré par l'exil, mais finalement je n'arrive pas à partir de ce pays, c'est très curieux. C'est certain, mais après tout dépend aussi du degré voilà, d'invasion, d'insécurité qu'on peut vivre. On peut et puis des persécutions personnelles, on sait que Boris est parti au Japon un peu contraint et forcé, hein, persécution judiciaire, mais moi ce que je constate c'est que même chez les expatriés nationaux ils ne peuvent pas s'empêcher de consulter l'actualité française tous les jours, et pour moi ça c'est un marqueur fort, parce que si vraiment l'exil était total, il y aurait une forme de... on se détacherait de l'actualité. Moi je me rends compte quand je vais à l'étranger, dans les pays de l'Est que j'adore, mais au bout d'une semaine j'en peux plus, il faut absolument que je sache ce qui se passe en France. Et je sais pas si t'as remarqué, mais tous les expats qui commentent sur nos publications, en fait, ils sont complètement attachés à la... obsédés presque par l'actualité française. Mais c'est un mot, pour moi, c'est normal. C'est un sentiment normal d'appartenance à un peuple, à une communauté nationale, à un territoire. C'est ça, l'attachement charnel à une nation, qu'on dit quelquefois, ça peut paraître un peu abstrait, mais c'est ça. Bah oui, c'est quand vous êtes à l'étranger et que ça vous manque, ou quand votre région vous manque. Quelquefois, bah voilà, tu vas aller en vacances, et puis voilà, tu vois que t'es pas pareil avec des gens qui sont français comme toi. Oui. Tu sais que tu vois que t'es pas pareil. Bon, tu vois, bah, quand je vais dans le sud, sur la Côte d'Azur, tout ça, bon, je vois que je suis pas pareil avec les gens. Bon, déjà quelquefois j'ai un peu du mal à comprendre avec leur accent, mais pour eux c'est pareil. Enfin voilà, eux, bon voilà, moi je suis, voilà, je suis attaché à mon terroir, à ma Picardie. Bon bah, c'est normal, c'est un sentiment normal que on essaie que voilà, une société essaie de dire, mais non, c'est anormal, t'es un citoyen du monde. T'es partout chez toi, voilà, on essaie de détruire ce sentiment d'appartenance. Aucune curiosité là-dedans, c'est absolument naturel. C'est absolument naturel, il faut surtout pas combattre cet attachement à notre terre. Bon, très bien, on va faire une petite pause, on se retrouve dans la deuxième partie, et là on va rentrer plus dans le détail, c'est-à-dire on va parler du Parti de la France en lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce parti et comment il va sauver la France bientôt? De retour sur le plateau de Vive l'Europe, toujours avec Thomas Joly. Toujours là. Voilà, deuxième partie de Vive l'Europe. Alors, je fais un petit point, j'ai oublié de le dire en première partie, évidemment. Ce titre d'émission, je voulais vous expliquer en 20 secondes pourquoi je l'ai choisi, parce qu'on me dit, Vive l'Europe, c'est-à-dire tu n'es pas nationaliste français, tu es européiste. Quelle connerie. Non, en fait, je veux confisquer le terme Europe aux européistes qui s'en sont emparés. Vous voyez? Parce que, évidemment, moi je suis français avant tout, mais je pense que tous les pays européens ont une culture plus ou moins commune, et que donc il est important de la préserver. Le meilleur moyen de la préserver, c'est de créer l'Europe des nations, c'est-à-dire que chaque pays soit maître de ses frontières, et de cette manière, en fait, notre civilisation européenne plus généralement sera préservée. Mais on imagine bien que Thomas Joly, au Parti de la France, je veux dire, le destin de la Slovénie, quelque part, t'en as rien à foutre. si tu arrives à sauver la France, dans un premier temps, on va dire quoi, c'est la France avant tout, quoi, tu vois. Alors bah déjà, pas tout à fait, oui. Puisque en fait le Parti de la France, Carl Lang a toujours été quelqu'un pro-européen, mais européen voilà. Comme tu le dis. Oui, parce qu'en fait les défis qui se dressent pour l'ensemble des peuples européens, en fait ce sont les mêmes. Oui, les défis de colonisation migratoire, d'invasion migratoire et de disparition de la souveraineté des États. Donc je crois qu'il est nécessaire, bien sûr, d'avoir une vision européenne du combat politique. Mais je suis content de te l'entendre dire, en fait je te taquinais un peu, tu sais, parce qu'on reproche souvent à la droite à laquelle tu appartiens d'être patriotarde, vraiment centrée sur sa franchouillardise, en se fichant un peu du destin, voire même s'il faut casser la gueule à l'Allemagne pour s'en sortir mieux, ben on fait comme ça. Alors que, enfin, voilà, Carl Lang le dit régulièrement, on n'est plus en 1914, on ne peut pas raisonner avec le même logiciel de pensée qu'il y a un siècle. Et là, les défis qui sont devant nous sont les mêmes pour les autres peuples européens. Donc il faudra apporter nécessairement une réponse européenne à l'immigration, une réponse européenne à l'invasion, c'est essentiel. Et de toute façon, à partir du moment, là on voit voilà, que le soleil est en train de briller dans certains pays de l'Est, avec des prises de conscience que n'ont plus les sociétés, on va dire, occidentales d'Europe de l'Ouest. Et je crois que c'est tout à fait nécessaire, puisque on prend exemple voilà, sur la Hongrie, sur la Pologne, sur la réaction, c'est les saines réactions de certains gouvernements d'Europe de l'Est. Donc je crois que les défis qu'on va avoir à relever concerne tous les peuples européens, et puis si évidemment chaque nation a ses spécificités, il est évident que nous avons une communauté de civilisation européenne, une communauté, on ose rarement le dire, moi j'ai aucun complexe pour dire, aussi une communauté ethnique. Bien sûr. Voilà, que ce soit bien clair et net, l'Européen c'est un homme blanc. Voilà. Oui, donc, déjà, rien que ça, ça nous rapproche. Bien sûr, rien que ça, ça doit nous obliger à être solidaires entre pays européens qui vivent les mêmes fléaux. Donc c'est évident qu'il faut avoir une vision au-delà de la vision nationale, qui est très importante, nationaliste. On s'appelle quand même le Parti de la France. Bah oui, oui, voilà, bien sûr. Mais Carl Lang a toujours eu une vision assez européenne de la politique. Une Europe des patries. Souveraine, c'est-à-dire qu'il est hors de question évidemment de cautionner une Union européenne qui se veut une instance supranationale au-delà des nations, de destruction des nations. On soit bien d'accord, l'objectif c'est d'agir avec les peuples européens dans l'intérêt des peuples européens. Bien sûr. Dire, voilà, l'Union européenne c'est qu'un outil qui est très mal utilisé, mais l'idée d'Europe des patries, des nations souveraines est quelque chose qui fasse... aussi, il faut savoir que dans la donne géopolitique, on a voilà, les États-Unis qui restent quand même la première puissance mondiale, la Chine, de par le nombre et de par la puissance économique également, l'Inde, même on veut dire le Brésil, la Russie. Et face à ça, d'un point de vue, je parle même économique ou même militaire, il est évident qu'il y a une communauté de destin entre les peuples européens pour justement que l'Europe reste, on va dire, le phare essentiel de la civilisation, même de l'humanité, je dirais, puisque je pense que la disparition de l'Europe telle qu'on la connaît, la disparition de la civilisation européenne se marquerait, en fait, pour moi, la fin, on va dire, de l'humanité telle qu'on la connaît. Ça n'aurait plus rien à voir. Donc voilà, la défense de notre civilisation européenne est absolument essentielle dans le combat politique au Parti de la France. Alors oui, le Parti de la France, quand ce parti est né, tu penses que dans la tête de Carl Lang, quel a été le moteur de cette création de parti? C'est-à-dire qu'il pensait qu'il y avait un défaut de droite nationale, il pensait que il fallait vraiment recréer la droite nationale qui avait à ce niveau-là une... Alors contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent croire, en fait, Carl Lang, parce que les problèmes avaient commencé déjà bien avant. En fait, le problème a été le fait que Jean-Marie Le Pen ait décidé de propulser sa fille... déjà à la tête du mouvement, dans les instances du mouvement, avec ses amis, contre l'avis de 90% des cadres. Il faut savoir que personne n'en voulait. Les gens qui la connaissaient savaient très bien de quoi elle était capable. Et Jean-Marie Le Pen a préféré épurer son parti. Il ne faut pas oublier, même si c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est quand même lui qui a mené le Front National, je veux dire, au niveau de l'épuration des cadres historiques et sa transformation idéologique, c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a fait en son âme et conscience. Il savait très bien quel était le projet politique de sa propre fille au sein du mouvement. Et donc, avant la rupture en fin 2008, début 2009, entre Carl Lang et le Front National, il savait très bien, il y avait déjà beaucoup de choses qui n'allaient pas. Déjà, entre la rupture idéologique qui se faisait petit à petit, la campagne de 2007 de Jean-Marie Le Pen qui a été désastreuse, rien que le fait qu'il se représente, c'était le candidat le plus âgé, c'était le seul sortant. C'est vrai. Puisqu'il y avait, au niveau des candidats, il n'y avait plus Chirac, il n'y avait plus Jospin. Déjà, c'était, je pense, une erreur déjà politique de se représenter en 2007. Mais nous, on suivait parce qu'on combat pour des idées, on votait pour des idées. Mais à partir du moment où ces idées ne sont plus représentées, la campagne a été une catastrophe. Puisque, voilà, aller sur la dalle d'Argenteuil, parce que ça, c'était, c'est Marine Le Pen avec ses. C'était l'époque un peu Soral aussi. Voilà, et qui a été de tendre la main aux branches de l'arbre France. Mais voilà, alors qu'il y a des militants, les gens qui voient en Front National un dernier espoir, ça ne marche pas. Je veux dire, aller draguer le vote immigré, ça ne marche pas. Les immigrés, les afro-maghrébins votent en fonction de leurs propres intérêts. Oui, bien sûr. Ils ne votent pas en fonction d'une certaine idée de la France. Il n'y a pas d'assimilation. Le vivre ensemble, ça n'existe pas. Ils n'ont jamais été aussi communautarisés. Voilà, l'avenir de la France, s'il n'y a pas de changement politique global, ce sera Molenbeek partout. C'est évident, ce sera la Seine-Saint-Denis partout en France. Donc, croire qu'on peut aller tendre la main à ces gens-là, qu'il y a des gens qui vont... des banlieues patriotes. Oui, voilà, vous n'êtes pas sur la ligne banlieue patriote. Non, hein. Pas du tout, du tout. Non, on est conscient de la réalité. Et on ne fait pas de la politique comme un responsable marketing d'un supermarché, par exemple. C'est pas parce que, voilà, on ne voit pas une part de marché dans le vote afro-maghrébin. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut concevoir comme une stratégie, à long terme, en fait, ne peut conduire qu'à l'échec. C'est-à-dire l'idée de se dire on va récolter quelques petits grammes de vote patriote en banlieue, alors que de toute façon ce sont des zones qui sont perdues en fait, à une échelle plus générale. Bah, le problème aussi c'est de faire le bon diagnostic et le bon constat. Quand je vois par exemple que Madame Le Pen estime qu'il s'agit d'une théorie complotiste que de parler de grands remplacements de population, moi, je lui proposerais peut-être de prendre le métro au moins une fois dans sa vie, à Paris. Ouais, Thomas, ce serait peut-être pas mal. Tu peux pas imaginer que là, c'est du discours politique. C'est-à-dire qu'elle ne pense pas ce qu'elle dit et que c'est parce que tu vois ce que je veux dire, c'est ce que les médias veulent entendre. Mais est-ce que tu penses pas qu'il y a un petit peu une dimension... Toi, si tu avais le micro à ce moment-là, tu ne mettrais pas un peu d'eau dans ton vin ? Moi, j'estime que faire de la politique, c'est de dire la vérité aux Français. D'accord. Leur faire croire qu'il serait possible d'assimiler 15 millions d'Afro-Maghrébins, pour la plupart musulmans, c'est une erreur que de faire une France apaisée avec 15 millions d'Afro-Maghrébins en France, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi on ne dit pas qu'il faut une immigration zéro, il faut une inversion. Au Parti de la France, nous estimons qu'il faut une inversion radicale et massive des flux migratoires extra-européens. On ne pourra entreprendre aucune politique de redressement national si on ne règle pas le problème de l'immigration. L'immigration est le problème principal de la France aujourd'hui. C'est drôle parce que c'était justement ma question suivante. Je voulais te demander si au fond le projet politique premier du Parti de la France, est-ce que c'est pas le plus essentiel, c'est vraiment celui-là, c'est-à-dire l'aversion des flux migratoires, l'arrêt de l'immigration, et surtout avec la crise des migrants qui a explosé en 2015. Alors, on est clairement en phase de colonisation migratoire de la France, de l'Europe. Les migrants, en fait, c'est la face, on va dire, émergée de l'iceberg. Parce que là, avec ces colonnes de migrants qui rentraient en Europe, mais il faut savoir que l'immigration légale est tout aussi nocive. C'est-à-dire que l'immigration qu'on accepte par dizaines, par centaines de milliers tous les ans, des naturalisations massives qui sont effectuées par les différents gouvernements depuis maintenant des décennies. Et ça participe au remplacement de la population française de souche. Le peuple français existe. Et il a des droits, il a le droit de rester lui-même, c'est ça qu'on veut dire, et qu'il n'est pas trop tard pour inverser cette situation, dans le sens où déjà, à partir du moment où il y aura des hommes politiques qui auront la volonté, c'est une question de volonté politique, nous sommes actuellement pas encore minoritaires dans notre propre pays, et je pense que c'est là aussi où se situe la clé. C'est pourquoi il y a un casting républicain, on va dire, à chaque élection. Pourquoi nous, par exemple, on n'est jamais invités ? Parce que quelquefois, il y a des gens qui sont invités qui ne représentent personne. Par exemple, je vais prendre Clémentine Autain. Elle ne représente rien. Ah bah oui, en termes d'électorat, elle ne représente rien. Pourquoi Carl Lang ne serait pas invité Au moins une fois, oui. Là, une fois, parce qu'il y a un verrou médiatique, parce qu'il y a des choses à ne pas aborder. Oui. Et imagine Carl Lang qui parle de décoloniser la France au journal de Pujadas ou au journal de TF1 en disant qu'il faut désislamiser la France, décoloniser la France et inverser radicalement les flux migratoires extra-européens. Bah, quand on sait que voilà. Le terme invasion migratoire est pour ainsi dire interdit par la loi, hein, d'une certaine manière. Hein. Après, évidemment, il y a la sémantique oui, légale. Voilà, alors, voilà. On peut employer différents termes. Moi, j'hésite pas à en parler. Écoute, s'il y a quelqu'un qui veut me faire un procès en parlant d'invasion migratoire, je sais même pas si la 17e chambre correctionnelle oserait encore. Oui, oui, parce oui. Qu'en fait, la population, il faut savoir aussi, avec la crise des migrants, avec cette insécurité permanente, c'est radicalisé. Quand t'entends les gens, moi, quand je vois les gens à mes réunions, quand je croise les gens, ils sont super radicaux. Oui. Quand tu les entends, ils n'ont jamais été aussi radicaux qu'ils sont là. Et disons, le mouvement qui est chargé de représenter la résistance nationale, à l'inverse, aseptise totalement son discours pour presque devenir un parti politique comme les autres. Quelquefois, quand j'entends Marine Le Pen, quelquefois, ben, je reconnais sa délicate et douce voix, tu vois, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre qui dirait la même chose. Ça pourrait... Quelquefois, tu as même des types, des républicains, enfin l'ex-UMP, qui sont plus radicaux. Parce qu'il faut voir, par exemple, le succès de Donald Trump aux États-Unis. Oui. C'est que c'est quand même assez terrible. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez croustillant, dans le sens où un système qui est complètement verrouillé, en fait, Donald Trump est 10 fois plus à droite que Marine Le Pen. C'est vrai. Et il a un discours de vérité. Il n'est pas dans la dédiabolisation, au contraire. Non, et il fait voter, en fait, des gens qui ne votent plus aux États-Unis depuis des années parce qu'ils se disaient c'est fou. C'est vrai, tu as raison. Tu as vu qu'il est même un peu taquin parce que. Dès qu'il peut faire une sortie un peu limite, je l'ai vu récemment où il disait que, je sais plus, c'était une animation qui parlait de l'Allemagne, il disait oui, vous savez, moi je suis très fier d'avoir du sang allemand. Et il le disait avec ce petit sourire, comme pour taquiner, on va dire, ceux qui le traitent de nazis, etc. C'est complètement à l'envers de ce que fait en ce moment le Front National, en tout cas ça c'est une vérité. Et surtout, il réveille des Américains lucides, des WASP lucides, qui, comment se disent, ah, il y a peut-être une solution. Ce que tu veux dire, c'est qu'avec un discours rentre-dedans, tu penses qu'on peut quand même conquérir les foules? Bah, déjà, d'une part, je pense que le Front National ferait au moins autant de voix, et surtout pourrait permettre de réconcilier, disons, avec l'action politique, beaucoup de Français qui ne croient plus en rien, qui ne vont plus voter. Parce qu'il faut savoir, même si le Front National fait des gros scores, il reste quand même énormément d'abstentionnistes. Oui, il faut aller chercher ces gens-là. Et il faut savoir où là, la stratégie de dédiabolisation a été un échec total, parce qu'après avoir épuré le parti politique de tous les cadres dits sulfureux, après avoir changé, on va dire, le discours du Front National en le normalisant, après tout ça, après tous ces efforts, en l'espace d'une semaine, entre les deux tours des élections régionales, la diabolisation est revenue. Ah, oui, oui. Et ça a fonctionné, et le Front National n'a gagné aucune région. Donc c'est un échec patent de la dédiabolisation, et je pense qu'il faut tenir un discours de vérité, parce que c'est justement en disant la vérité aux Français qu'on arrivera à réveiller le concitoyen, par leur faisant croire que tout va se passer sans problème, ou dire qu'il n'y aura pas d'attentat, que Marion Maréchal Le Pen a dit « si le Front National avait été au pouvoir, il n'y aurait pas eu d'attentat ». Non, c'est pas si le Front National était au pouvoir, c'est si on avait entrepris une grande politique de remigration et de désislamisation de la France, il n'y aurait pas eu d'attentat. Mais c'est pas le simple fait d'aller au pouvoir pour le pouvoir, c'est d'appliquer un programme politique de décolonisation migratoire qui réglera la plupart des problèmes que connaissons. Je ne sais pas qu'elle a dit ça, mais cette phrase est un peu hasardeuse, parce que si le Front parvenait au pouvoir et que 2 mois après il y avait un attentat, elle serait bien emmerdée, parce que bien évidemment que par magie, le Front ne peut pas annuler 20 millions d'immigrés. Oui, dans le sens potentiellement où il ne faut pas juste dire voilà, le pouvoir pour le pouvoir, il faut appliquer des idées, être capable de les appliquer. Et comment veux-tu appliquer un programme de redressement national, de droite nationale, en t'entourant que des gens issus du système, que des gens issus des ratés des autres partis politiques, parce que c'est de ce genre de personnes que Marine Le Pen s'entoure, des types qui, voilà, un mec comme Philippot, s'il avait pu faire carrière au Front de Gauche, il l'aurait fait. D'ailleurs, il a même été assistant de Mélenchon pendant un temps. Voilà, c'est des gens qui n'ont aucune conviction, aucune conviction politique, qui souhaitent juste participer en fait à la grande illusion démocratique, mais qui n'ont pas la France chevillée au corps. Ils sont juste là, eux, pour en croquer, on va dire. Et malheureusement, nous estimons, moi je préférais être encore au Front National si ce parti défendait encore ce pourquoi je me suis engagé aux politiques. Mais malheureusement, voilà, avec 1000 fois moins de moyens, 100 fois moins de moyens, bah, par exemple, on arrive à faire des choses. Le Parti de la France a un journal de réinformation. Si vous allez sur son site, une fois par semaine, tous les 15 jours, on a un journal de réinformation. On a un journal 20 pages qu'on a envoyé à nos adhérents, alors qu'on n'a pas une seule subvention publique, alors que le Front National brasse des millions, et ils n'ont même pas ces simples outils médiatiques. Donc, ça prouve bien qu'ils n'ont juste l'intention, enfin on le voit bien, l'intention malheureusement de participer au système plutôt que de le renverser. Alors, tu viens de dire dans ta réponse que la vérité était au centre de vos discours politiques. Alors moi j'ai une question qui est, dont la réponse peut être un petit peu compliquée à dire. Je ne sais même pas si on est autorisé par la loi en fait finalement, mais je vais quand même poser la question. La République, qu'est-ce que vous en faites? Mettons que vous parvenez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites de la République? Est-ce que vous vous considérez comme républicain? Vous ne l'êtes pas? Si vous ne l'êtes pas, que faites-vous de la République? Oui. Alors, tu vois, je crois que... il faut arrêter ce qu'on a essayé, de faire en fait la gauche et même la fausse droite, c'est de sacraliser la République et de remplacer le mot nation, le mot France, par République. La République, c'est juste un cadre institutionnel de la vie politique française. Ce n'est rien d'autre, ça fait partie de l'histoire de France. Donc voilà, je pense que le mode de fonctionnement d'un État, le cadre institutionnel doit être adapté à la situation. Moi, ce que je pense, c'est que beaucoup de gens ne se sentent plus représentés actuellement, et on leur demande leur avis sur aucune grande orientation politique de l'État. Les derniers référendums qu'on a fait, c'était vachement passionnant, c'était sur le quinquennat, et puis il y a eu quand même... contre l'Europe. Oui, voilà. Ouais. Et là, alors là, ils ont dit, oulala, oulala, on avait demandé à l'Union française, ils ont dit non. Cata, bon, ils nous l'ont remis derrière, avec le traité de Lisbonne, ils nous l'ont remis tranquillement avec de la vaseline. Mais je veux dire, là, oulala, on demande l'avis des Français. Et puis bon, c'était sur un traité européen, mais je pense qu'il faudra rendre la parole aux Français, et je pense que si on faisait un référendum sur l'immigration, sur la remigration, un référendum sur la peine de mort, un référendum sur le rétablissement des frontières, ce genre de choses, c'est des sujets qui intéresseraient les Français. Je pense. À ce propos, tu penses que sur le mariage homosexuel, s'il y a eu référendum, tu penses que le mariage n'aurait pas été voté? Ah bah je pense, je pense qu'il y a même les Afro-Maghrébins qui auraient voté contre. Alors, tu vois, pour une fois, ils auraient servi à quelque chose. Avant de les foutre dehors, on leur aurait fait voter contre le mariage homo. Voilà, tu vois. Non, et, évidemment, et puis il faut savoir aussi qu'il faudra arrêter cette propagande permanente, parce qu'il faut savoir que on appelle ça le quatrième pouvoir. Voilà, les médias, mais c'est absolument énorme. Je veux dire, quand on voit par exemple les micro-trottoirs qui sont faits, jamais tu vas voir quelqu'un de normal qui va être contre l'arrivée de migrants. Si ils en trouvent un, c'est quelqu'un qui a 98 ans, tu sais, ça c'est pour mettre dans la tête des gens d'une part. Donc ils vont interviewer 5 personnes. Bien sûr. Sur les 5, tu vas avoir qu'un seul qui veut pas accueillir des migrants, et le type sera ultra caricatural. Soit il aura plus d'âge, ou soit ce sera l'idiot du village qu'on aura repris, qui aura la bave aux lèvres, en étant haineux. Et tout ça c'est pour mettre dans la tête des gens. Regardez, sur 5 personnes, il y en a 4 déjà qui sont pour l'arrivée des migrants. Et on dirait déjà que vous êtes minoritaire. Et voilà, et si vous pensez ça, vous ressemblez en fait à ça. Exactement. Et pour mettre dans la tête des gens, d'une part, qui sont minoritaires, que tout le monde est pour l'accueil des migrants, et puis la question souvent c'est comment on les accueille. Tu sais, c'est pas... non, mais alors que quand tu vas au bistrot, ou même quand tu connais pas les gens, tout le monde dit mais il faut les foutre dehors. La question initiale c'est est-ce que vous voulez ou non qu'on les reçoive, et la plupart des gens ne veulent pas en réalité. Voilà, c'est ça, mais sauf que donc là c'est une manipulation des masses qui fonctionne. Même si nous on est suffisamment lucides pour s'apercevoir que c'est une manipulation, beaucoup de gens n'ont pour unique source d'information que les médias généralistes. Et c'est pour ça aussi qu'en politique, beaucoup disent « Ouais, moi j'ai plus de télé, je m'informe autrement. » Il faut savoir ce que les médias pensent. Il faut savoir aussi ce qu'on met dans la tête de nos concitoyens. Pour justement contrer cette désinformation, il ne faut pas non plus soi-même s'enfermer. Nous, on a suffisamment de lucidité. Alors, quelquefois, on manque d'avoir un ulcère quand on voit ce qu'on voit à la télé. Mais si tu veux parler aux Français, si tu veux pas paraître complètement illuminé ou complètement déconnecté de la réalité, il faut savoir aussi, toi aussi, ingurgiter un peu toute la merde qu'on met aussi dans leur tête pour savoir ce qu'on doit combattre. Donc ouais, ce que je retiens de ta réponse, c'est que finalement la République c'est un système politique provisoire. Oui, excuse-moi, j'ai un peu... Non mais c'est pas grave, la République c'est un système politique provisoire qui régit la France. Et vous, si vous parveniez, votre entité politique parvenait au pouvoir, elle en modifierait les codes, tout simplement. Moi, je crois que le cadre institutionnel d'un régime n'est pas l'essence même du combat politique. Bien sûr. On utilisera le système politique le plus adapté à la situation. Tout dépend, voilà, tu prends le pouvoir, si la France est à feu et à sang, ouais. Si, je sais pas, t'as les chars de Merkel, les chars républicains et citoyens de Merkel... À ce moment-là, tu seras obligé d'avoir une politique agressive. Voilà, qui arrive, ou alors si, voilà, si on prenait le pouvoir dans, voilà, dans une France apaisée, parce que le problème migratoire se sera réglé de lui-même, il y aura un retour, ben, voilà, tout dépend de la, de la situation, mais je pense que dans quelque régime que ce soit, demander l'avis des concitoyens, parce que tu ne feras rien sans l'assentiment populaire, un minimum, parce qu'on sait très bien qu'en général, les masses sont léthargiques, les masses suivent, mais il faut quand même un minimum avoir de soutien populaire, et si tu agis dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt des Français, dans l'intérêt de la nation, les gens finissent par le reconnaître, quel que soit le type de régime. Oui, oui. Alors, on a parlé de la République, la question suivante, elle coule un peu de source, tu sais qu'on... On a beaucoup de catholiques pratiquants qui nous suivent, et cette question est revenue tellement souvent que je ne pouvais pas l'éluder. C'est finalement, au Parti de la France, est-ce que vous considérez que le catholicisme est la religion d'État? C'est-à-dire que, voilà, est-ce que, voilà, encore une fois, vous parvenez au pouvoir, mettons, est-ce que vous essayeriez de mettre le catholicisme au centre, le faire revenir au centre, soit par la royauté, soit par des lois, finalement? Ah, la France est, il me semble, la fille aînée de l'Église. La France a une culture catholique, a des racines chrétiennes. Donc il est évident qu'il faudra en finir avec cette laïcité qui est en fait de mettre sur le même plan toutes les religions. Il faut savoir que l'islamisation de la France, c'est grâce à la laïcité, puisqu'on estime que chaque religion se vaut. Donc ça veut dire que chaque religion doit avoir la même... L'égal droit de vivre sur un territoire et de subventionner. Voilà. Et donc le fait de refuser... Parce qu'en fait la laïcité c'est ça, en fait la laïcité c'est toujours à géométrie, c'est à géométrie variable, c'est toujours dans un sens, comment qui est en fait de promouvoir les autres religions à des fins d'antichristianisme primaire qu'on subit depuis plus d'un siècle. Donc voilà, il sera nécessaire évidemment de rappeler les racines chrétiennes, ça fait partie de notre identité, de l'identité des Français de souche, des Français des Européens, ces racines chrétiennes en font partie, ça fait partie de notre histoire. La République fait aussi partie de l'histoire, mais évidemment à partir du moment où on ne reconnaît pas sa propre spiritualité historique, il est évident qu'on est dans une phase de destruction de nos racines, de destruction de la France. Donc évidemment, nous ne sommes pas un parti confessionnel, mais nous sommes conscients des valeurs chrétiennes de notre civilisation. Mais sur un point particulier comme l'avortement, moi je sais que tu es quelqu'un qui est opposé à l'avortement, tout comme moi d'ailleurs, mais est-ce que je voulais savoir, est-ce que c'est lié à un fondement spirituel, ou est-ce que c'est presque une sorte de bon sens moral d'être humain qui considère ça comme... Le bon sens moral se réfère toujours à quelque chose. C'est ça, ouais. Mais voilà, pour moi, l'avortement, beaucoup disent, oui, mais les gens... Alors, les gens se... Je veux dire, l'avortement, oui, c'est un gros problème, parce qu'en fait, on a rendu ça de manière très abstraite. C'est devenu abstrait, c'est devenu un acte médical comme un autre, comme si on prenait une pilule ou ce genre de choses. Moi, je pense qu'il suffira de montrer la réalité d'un avortement une fois, un soir, sur TF1, voilà, à 20h30. Technique, tu veux dire biologique. Expliquer exactement ce qu'est l'avortement, et ben, ça suffira ça pour démolir 40 ans de propagande de culture de mort. Parce que quand les gens sauront véritablement ce qu'est un avortement, parce que voilà, on essaie absolument... c'est la mort d'un fœtus, c'est-à-dire d'un être humain. Voilà, c'est ni plus ni moins qu'un meurtre. Mais ça, mais jamais on va le faire voir, jamais. Il faut complètement... Donc voilà, c'est un problème, parce que c'est un génocide pendant qu'on... Parce que voilà, il faut lier ça aussi à l'immigration. Pendant qu'on fait rentrer des Afro-Maghrébins qui se reproduisent comme des lapins, qui ont une démographie galopante, pendant ce temps-là, les Français font de moins en moins d'enfants, et on a institué l'avortement quasiment comme un moyen de contraception. Donc voilà, mais je pense que ce sera une rééducation des Français, mais qui se fera tout seul, parce que c'est toujours pareil, c'est le bon sens. Quand tu vois, il y a un film, je crois que ça s'appelle Nonny Touarg, que tu vois, avec la réalité des avortements, mais le truc il est insoutenable, et ça, là tu fais voir ça à une heure de grande écoute à la télé, c'est bien pour ça que ceux qui luttent, qui sont en pointe contre l'avortement, sont condamnés, parce qu'il ne faut surtout pas qu'ils aillent dire la vérité aux gens, parce que c'est très simple d'empêcher une femme d'avorter. Parce qu'il suffit de lui rappeler la réalité, qu'elle a la vie en elle et qu'elle va éliminer l'enfant qu'elle porte. C'est pour ça que les associations de vieilles féministes dégénérées du planning familial, par exemple, qui ne veulent surtout pas que ces femmes aient accès justement à une alternative à l'avortement. Mais ta réponse me convient, en fait, ce que tu dis, c'est que le bon sens est indissociable de notre éducation catholique qui finalement est millénaire. Donc, de toute façon, il n'est pas naturel de tuer l'enfant qu'on attend. Oui, quelle que soit la religion, quelle que soit sa façon de penser, c'est non naturel, c'est complètement démentiel même. Donc c'est ça, il faut que ça redevienne une réalité et de bien définir ce qu'est véritablement l'avortement. Mais c'est sûr que vu qu'on a mis dans la tête des Français qu'il s'agissait d'un droit, qu'il s'agissait d'un acte médical qui était tout à fait banal, il est évident que c'est un chemin peut-être un peu long et c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut mettre en avant dans une démarche de propagande politique, puisque ce ne sera pas forcément compris. Je pense qu'on arrivera à lutter plus efficacement contre l'avortement, enfin, comme dans tous les domaines, mais quand on aura le pouvoir, parce qu'il s'agit d'une rééducation qui, à mon avis, sera très courte, parce qu'il suffira de montrer la réalité des choses, comme dans d'autres sujets. Bah, écoute, je vais te dire mon petit Thomas, le fait d'avoir parlé de religion, tout ça, a réveillé le gauchiste qu'il y avait au fond de moi. Et pour moi, c'est le moment de passer à cette rubrique auquel je tiens beaucoup, qui est la rubrique gauchiste. Alors qu'est-ce que c'est la rubrique gauchiste? À chaque fois que j'aurai un invité comme toi, qui est un militant politique, je me mettrai dans la peau d'un homme de gauche pour essayer de lui poser les questions qui me viennent si j'avais un esprit, on va dire, antifasciste. C'est un rôle de composition, j'espère. C'est un rôle de composition basé sur des fécondations. Sur, je pense que tu vas y prendre un certain plaisir. Pervers, effectivement, oui, mais cette idée de séquence m'est venue, je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle permettra à nos jeunes militants, ou pas, hein, des gens qui s'intéressent aux nationalistes petit à petit, de savoir comment réagir en cas d'inquisition. On l'a tous vécu, ça, je pense que tu l'as vécu toi aussi Thomas, dans une soirée, d'un coup tu donnes ton avis. Moi ça m'était arrivé sur le mariage homosexuel, j'avais donné mon avis et j'avais subi une inquisition, j'avais 20 gauchistes sur moi. Et j'avais été un petit peu dans les, comment on dit, tu sais, comme quand t'es un boxeur et que t'en prends plein la face, quoi. Bah tu le sais, en plus tu fais de la boxe. Oui. Donc là, je vais te boxer un peu et il va falloir que tu réagisses au quart de tour, d'accord? Je pense que tu es prêt. Donc c'est 5 questions d'un gauchiste à un patriote français. Alors première question, je te vois pour la connaître, parce que là on n'est plus amis, hein, d'accord? D'accord. C'est la guerre. Bon. Thomas Joly, en quoi est-ce que c'est une fierté pour vous d'être réactionnaire? Est-ce que vous n'avez pas l'impression de vous réfugier dans une idée de la France qui est complètement dépassée? Déjà, si le seul esprit rebelle, maintenant, c'est d'être réactionnaire. C'est quand même pas être de gauche que d'être subversif, maintenant. C'est-à-dire, c'est pas... si on s'en tient qu'au côté subversif, c'est quand même plus rebelle de dire qu'on est contre le mariage homo en société, plutôt que de dire qu'on trouve ça formidable et qu'il devrait adopter des... Par exemple, hein, voilà, de dire que... c'est rebelle d'être fasciste. C'est ce que vous voulez dire. Bah, toujours plus que d'être gauchiste, en tout cas. J'accepte cette réponse. Ma deuxième question, c'est la suivante. Vos scores sont pas exceptionnels pour l'instant aux élections auxquelles vous vous présentez. Est-ce que ça veut pas dire, puisque vous êtes à la droite du Front National, donc votre ligne, vous avez une ligne politique très difficile, très dure, est-ce que ça ne veut pas dire que les Français ne veulent plus de cette ligne politique ? De cette ligne réactionnaire, de cette ligne rigide? Moi, ce que je vois, c'est que la classe politico-médiatique ne veut plus que cette ligne soit entendue. Qu'on m'invite une fois ou deux, ou qu'on invite Carl Lang ou n'importe quel cadre du Parti de la France une fois, une heure de grande écoute dans un média, vous pouvez être certain que notre discours va intéresser les gens, parce qu'on dit ce que la plupart des gens pensent tout bas, et ce que la représentante de la droite nationale, qui est une véritable imposture aujourd'hui, je parle de Marine Le Pen bien évidemment, ne dit plus tout cela. Ce que les gens pensent, elle ne le dit plus. Il n'y a plus personne pour représenter nos idées au sein du casting républicain. Donc voilà, qu'on nous invite au moins une fois. Si on est juste des fous, des illuminés, que rejetés par 98% de la population, eh ben, quel risque prendrait-il? On pourrait même se marrer. Invitez-moi chez Ruquier. On lui demandera s'il veut vous inviter. Troisième question sur le mariage homosexuel. On sait qu'au Parti de la France, vous n'êtes pas spécialement fan des homosexuels. On peut même dire que c'est quelque chose qui... C'est un projet qui vous intéresse pas trop. Alors moi, ma question, elle n'est pas politique, elle est personnelle, monsieur Thomas Joly. Si l'un de vos enfants est homosexuel, comment est-ce que vous réagiriez? Alors si un de mes enfants a été homosexuel, évidemment, je ne serais pas spécialement ravi, qu'on soit bien d'accord. Ah mais je ne sais pas, je vous pose la question. Ah non, parce que bon, forcément, c'est une anormalité sexuelle. L'homosexualité est une anormalité sexuelle. Donc évidemment, je considérerais ça comme mon enfant a une tare. Voilà, c'est qu'en fait, il n'aura pas une sexualité normale. Et c'est pas pour ça que je trouverais... C'est vrai que vos propos sont condamnés par la loi, vous le savez. une sexualité anormale. Pour moi, la normalité, la règle, c'est voilà, un homme, une femme, un couple, j'ai pas l'impression. Et même, c'est marrant parce que même les enfants, quand ils sont petits, pour eux, c'est normal. Je me souviens, quand il y a eu le mariage homosexuel qui a été institué, qu'il y a eu les premiers mariages homosexuels médiatisés, quand mes enfants ont vu deux types qui se roulaient un palot là, dans la mairie, ils ont fait « Ah, mais c'est dégoûtant !» C'était une réaction normale. Ils devaient avoir, je sais pas, 4 ans, 5 ans, quoi. C'était une réaction instinctive et normale. Mais est-ce que ça n'est pas parce que la tolérance, ça s'explique aux enfants, ça s'apprend? Non mais il y a une différence entre la tolérance et avoir des relations sexuelles avec une personne du même sexe. C'est vous qui le dites. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, les PD s'enculent. Voilà, c'est la réalité des choses et c'est pas quelque chose de normal. Donc voilà, il faut savoir aussi savoir de quoi on parle, ce dont il s'agit. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est aussi cette communautarisation, essayer d'ériger en mode de vie le fait de sa sexualité. Je sais pas, moi, quand je vois quelqu'un, je me présente pas en tant que Thomas Joly hétérosexuel, en disant « Ah bah j'aime bien faire ci, j'aime bien faire ça, voilà, ce genre de choses, j'aime bien faire ça au lit. » Non, maintenant, il y a une communautarisation du monde homosexuel, ils ne réfléchissent qu'en tant qu'homosexuel. C'est quand même assez incroyable, donc comme quoi il s'agit en plus d'être une anormalité sexuelle, d'une névrose pour la plupart d'entre eux. C'est votre réponse, je l'entends. Puisqu'on est toujours dans les limites de la légalité, j'ai assisté à une de vos conférences, en fait, où vous avez tenu des propos quant aux historiens. Alors, vous disiez que si le Parti de la France arrivait au pouvoir, il offrirait une liberté totale de recherche aux historiens. Est-ce que ça n'est pas un appel d'air aux révisionnistes? C'est-à-dire, est-ce que ça ne veut pas dire concrètement, vous les négationnistes, vous êtes les bienvenus au Parti de la France? Je crois, moi c'est pas un sujet qui me passionne déjà, mais voilà, je crois que accorder plus de liberté aux historiens pour faire toute la lumière sur les périodes de notre passé, c'est pas un danger. Justement, on propose plus de liberté. Si certains développent des thèses fantaisistes, ils se feront ridiculiser. Donc pourquoi avoir besoin d'une loi liberticide qui empêche le libre débat historique sur certains sujets? Voilà, nous ne sommes pas des obsédés de la question, mais en revanche, nous sommes pour l'abrogation pure et simple de la loi Guessot. D'accord, c'est très clair là-dessus. Et je terminerai sur une question, parce que c'est une question sur l'immigration, ça me paraît important, c'est apparemment le sujet numéro 1 de votre lutte politique. Souvent, on voit le slogan affilié au Parti de la France, c'est « Foutons-les dehors ». Alors, foutons-les dehors, d'accord. On fout dehors les immigrés, on fout dehors les réfugiés politiques, on fout dehors les clandestins, comme vous les appelez. Qu'est-ce qu'on fait des métis? On les coupe en deux? Comment ça se passe? Ah, je crois que quand on fait de la politique, oui, on ne s'attache pas au cas individuel. On fait de la politique de manière générale, pour l'intérêt général. Il y a des millions d'immigrés, il y a des millions de métis nés de mères françaises, blanches et... Mais c'est pas le problème du Parti de la France. Nous, on ne va pas légiférer en fonction des métis, on va légiférer en fonction des étrangers et des Français. À partir de ce moment-là, en général, les métis, ils font plus souvent ressortir leurs racines africaines, enfin quand ils sont d'origine à moitié africaine, que leurs racines françaises. Dieudonné, il se présente plus comme un Camerounais plutôt que comme un Français, enfin à peu près, je sais pas, toi je sais que tu l'as connu, mais bon... Là tu parles pas à moi, mais ok, d'accord. Mais bon, voilà, moi, les gens qui sont métis, c'est pas mon problème, c'est pas le problème du Parti de la France. Et je pense pas qu'on doive envisager une politique de remigration en fonction des métis ou de chaque cas individuel. Oui mais moi monsieur c'est pas tout à fait pareil parce que moi je suis comme ça. Non, ce sera un politique de remigration générale et les cas particuliers seront traités de manière particulière et puis c'est tout. Bon, très bien. Écoute Thomas, je t'applaudis, tu m'as fait sortir de mon rôle, ça y est, je redeviens Daniel Conversano, merci d'avoir accepté de mes salves et mes attaques, t'as très bien répondu. Non, c'était pas méchant. J'ai pas besoin de te mettre un pain dans la gueule, tu vois, comme quoi. Pas encore. Restez pour la troisième partie, on revient dans quelques instants. Coucou les petits gars, on est de retour pour la troisième partie de Vive l'Europe. Vous voyez que le souffle de liberté que vous lui donnez à cette émission, Thomas s'en est emparé en allumant un cigare. Ça va? Bah écoute, oui, ça va, ouais, ça se passe bien. Écoute, ça va faire penser un peu aux émissions des années 80 dans les ambiances enfumées. C'est ce que je voulais. Maintenant, aujourd'hui, c'est quasiment l'acte ultra subversif, c'est voilà, d'allumer un cigare ou une clope. Criminel. Criminel, là, attention, là. Ça aurait été une clope, je te l'aurais peut-être taxé, mais le cigare, c'est vrai que le Il faut être un vrai fumeur pour ça. Alors, je ne fais pas l'apologie de la consommation de tabac parce que je ne fume pas de clope. J'ai jamais fumé de clope. Je fume, oui, c'est vrai, ça. Un cigare de temps en temps en bonne compagnie, mais voilà, j'en fume pas 25 par jour. Mais là, ouais, rien que pour te faire chier, tu vois, j'ai tout balancé ma fumée dans les trous de nez. Bah, tu vois, alors, par ailleurs, on a commencé à la bière. Là, c'est du placement produit, mais j'en ai rien à foutre. On continue avec du vin. T'as vu, je t'ai taquiné, je t'ai pris du vin sud-africain. Ah bah écoute, ça ferait rire. S'il est produit par, à mon avis, il est produit par des africaneurs parce que bon, je savais que t'allais répondre ça. Le vin, voilà, africain en tant que tel, voilà, ils ont jamais. Tu crois pas à la cuvée du Nigeria, quoi. Non. Je pense que voilà, si il y avait pas eu la colonisation. Ils seraient encore en train d'attendre le colis de la Croix-Rouge dans leur case en bout séché, tu vois. Donc là, il faut quand même savoir que les bienfaits... Et puis, alors, il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, en Afrique du Sud, les premiers qui sont arrivés, c'était des Blancs. C'était une terre vierge. C'est pas... Oui, ils ont pas... C'est vraiment... Les premiers habitants étaient Blancs. C'est-à-dire qu'ils n'ont bousculé personne, en fait, ils se sont installés à un endroit qui était vide. Bah voilà. Et maintenant, c'est... notre problème. On n'allait pas partir sur l'Afrique du Sud parce que c'est vraiment un gros sujet. Mais puisqu'on parle de blanc et de noir, je vais poser une question. Alors, dans la troisième partie, on se détend un peu, on fait une revue d'actualité un petit peu décalée. Hein. C'est ton avis à toi qui n'engage pas forcément le Parti de la France. Est-ce que tu arrives à t'identifier, par exemple, moi je sais que j'adore le sport, est-ce que tu arrives à t'identifier au match de l'équipe de France de football quand on voit que récemment, là j'ai vu un match amical contre la Russie, je vois qu'il n'y avait pratiquement aucun joueur blanc parmi les Français. Là, je parle vraiment d'identification, il ne s'agit même pas de racisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que toi en tant que Thomas Joly, blanc français, tu t'identifies et qu'est-ce que tu... Alors, évidemment, c'est totalement affligeant. C'est même une honte nationale quand on voit cette équipe. On est la risée de l'Europe, on est la risée du monde. En fait, pas tant en tant qu'individu. Le problème, c'est pas les joueurs en tant qu'individus, en tant que joueurs de football. C'est la représentativité de ces joueurs qui sont tous africains, pour la plupart, ou maghrébins, et où on trouve un ou deux Français de souche. C'est sûr que je ne peux pas m'identifier à cette équipe. Alors après, j'aime le foot. J'ai joué au foot, j'aime bien regarder le foot. Je ne dis pas que ces joueurs jouent mal. Je peux trouver qu'un joueur africain joue très bien. Mais après, là, on parle de représenter la France. Donc c'est sûr que j'ai beaucoup de mal à m'identifier à cette équipe, comme la plupart des Français. D'ailleurs, quand souvent ils disent oui, le désamour des Français pour l'équipe de France. Mais le désamour des Français, c'est parce que les gens ne se sentent pas représentés. Bien sûr. C'est surtout ça. C'est parce que jamais les journalistes vont. Jamais les journalistes vont aller au fond du problème. C'est qu'en fait, bah, les Français, parce qu'il faut savoir que les supporters de foot sont en général des Français de souche. Ouais. Qui soutiennent des équipes composées principalement d'afro-maghrébins. Donc c'est un peu paradoxal, mais c'est tout à fait dommageable. Et même si on peut apprécier le beau jeu, on a beaucoup de mal à se sentir. Bien sûr, la question n'est pas de dire si par exemple Zidane était un bon ou un mauvais joueur de football, c'est évidemment un bon joueur de football, mais est-ce qu'une équipe de Zidane, ce serait la France encore sa place était dans l'équipe d'Algérie. Comme la plupart des joueurs africains de l'équipe de France, leur place est dans leur équipe véritablement nationale. En plus, ils le disent. Bon, je parle pas de notre Raqqa maghrébine de Benzema. Ah bah lui, carrément, voilà, il l'a dit ouvertement. Hein, donc, il l'a dit ouvertement, mais bon, voilà, c'est certain que ces joueurs jouent bien, mais ils devraient jouer pour leur véritable pays. Et tu crois que le politique devrait intervenir sur ce genre de choses évidemment, à partir du moment où on redonne une véritable valeur à la nationalité française, c'est-à-dire qu'on interdit la binationalité... Ça n'arriverait pas, de fait, c'est vrai, tu as raison. Voilà, et après, et aussi qu'on réglemente, comme c'était le cas avant dans les clubs de foot. Tu avais droit à 2 étrangers, tu pouvais aligner, au début c'était 1 étranger. Ah oui, il y avait des quotas, bien sûr, tout à fait. Après ça a été 2, après ça a été 3, puis bon maintenant, voilà. Oui, plus les naturalisations, ça fait que quand tu as un Français de souche dans une équipe, dans les clubs, ah bah là, tu es là, tu t'identifies à lui, tu dis putain le pauvre, ça va dur pour lui quoi. Non mais c'est vrai ce que tu dis, tu sais moi, mon père m'a raconté comment ça arrivait au début des années 90, dans les championnats italiens, lui suivait vachement ça, à Milan il a commencé à avoir les 3 Hollandais, la Gulli, Van Basten, etc. Il y avait 3-4 étrangers, et puis d'un coup, il y a eu une loi qui... la Rebosman, en fait, voilà, qui a libéralisé tout ça. Non, je pense que 1 ou 2 étrangers dans une équipe, bon, voilà, ça peut être intéressant. Puis bon, voilà, c'est pas non plus le métissage du pays si on met 1 ou 2 étrangers dans l'équipe, mais 1 ou 2, tu vois, pour le côté exotique, pour le fait, il y a les transferts d'étrangers, puis c'est obligé, justement, les étrangers à être plus forts que les joueurs français. Oui. Puisque vu que t'en avais que 2 dans l'équipe, t'avais intérêt à gagner ta place. Enfin, s'il y avait... donc, tu vois, ça apportait une valeur ajoutée flouté, on va dire, dans les... Bon, ouais. Là, je parle en tant que flouteur. Là, on est dans la technique du sport, là, on est bien. Voilà, mais je veux dire, bon, maintenant, ça ne rime plus à rien, quoi. Quand tu vois que des équipes, des clubs français n'alignent plus un seul joueur français. Enfin, de vrais français, t'as compris tout le truc. Ça n'est pas spécifique à la France. Des Gaulois, quoi. Dans les grands clubs espagnols ou italiens, parfois, tu n'as pas un seul local. Ah bah, eux, ils sont quand même un peu plus... Faut regarder à Barcelone, il y a quand même quelques Espagnols. C'est vrai, en Espagne, t'as raison sur l'Espagne. Regarde, au PSG... Je crois que les seuls Français, ça doit, c'est Blaise Matuidi. Oui, oui. Enfin, bon, voilà, j'ai rien contre lui, mais bon. Voilà, en Angleterre, ils font n'importe quoi, tu vois. Arsenal, t'as vu, il y a pratiquement aucun Anglais, quoi, maintenant. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse, voilà, qu'on puisse supporter des équipes comme ça. Alors. Moi, ce que je peux comprendre, c'est que je regarde quand même le foot de temps en temps, parce que ça a beau être, tu vois, l'équipe, elle a beau être composée presque plus français dedans. J'aime le beau jeu, j'aime le foot, j'aime ça. Mais bon, voilà, au niveau de la représentativité nationale, c'est cuit, quoi, c'est foutu. Bon, enfin, c'est foutu, entendons-nous, bon, pour l'instant. Non, mais oui, l'expression était... Oui, d'accord. Bon, on a parlé de sport... Je voudrais quand même passer un peu de temps sur le dossier syrien, parce que c'est quand même l'actu permanente, la Syrie. Et puis, on a beaucoup parlé de l'inversion des cours migratoires. Là, les migrants, les réfugiés clandestins, il y a trois mots pour les définir. Je t'en prie. C'est encouragé par la maison. Le problème, initialement, c'est qu'on a des Syriens, d'ailleurs pas toujours de Syrie, hein, qui nous arrivent en masse en Europe de l'Ouest. Donc, quelle est la position ? Ça rentre dans le détail, mais officiel du Parti de la France là-dessus. C'est-à-dire que vous pensez qu'il faut laisser la main au pouvoir d'Al-Assad. Est-ce qu'il faut, avec Daesh, est-ce qu'il faut être extrêmement virulent? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le Parti de la France est très clair sur le sujet. Ouais. La Syrie est un pays souverain, ouais, avec un président, le dernier nationaliste arabe qui reste. Et l'intérêt... Il faut toujours penser, c'est Louis XIV qui disait, dans les relations diplomatiques, la France n'a pas d'amis, n'a pas d'ennemis et n'a que des intérêts. Oui. Quel est l'intérêt de la France dans la crise syrienne? C'est sûrement pas d'accueillir des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Syriens qui fuient la guerre et surtout qui viennent coloniser l'Europe. Ouais. Donc là, nous, notre intérêt, c'est forcément d'aider le pouvoir en place, d'entrer dans une coalition à partir du moment où Daesh nous a déclaré la guerre. Nous sommes en guerre, on n'arrête pas de nous le dire. Apparemment, c'est l'actualité. Hein. Ouais, sauf que nos élites ont déjà capitulé. Là, ils disent on est en guerre, mais ils veulent pas la faire, la guerre. Ils veulent tuer personne. Je pense que la France aurait tout intérêt pour régler de manière définitive le problème de Daesh, c'est d'entrer dans une coalition internationale avec en partenaire privilégié la Russie et Bachar el-Assad, qui est le garant, en fait, qui est en première ligne face à Daesh, face à l'État islamique. Donc évidemment, il faudrait entrer dans des relations diplomatiques poussées avec Bachar el-Assad et lui apporter une aide militaire, une aide logistique, pour reconquérir son pays et pour en finir avec les milices islamistes armées, qu'elles soient soi-disant modérées, oui, qu'elles soient rattachées directement soit à Al-Qaïda, soit à Daesh, oui, à l'État islamique. Oui. Bon, voilà. Il est évident que l'intérêt de la France, c'est de mettre à mort l'État islamique. Et qui est le mieux placé pour mettre à mort Daesh? C'est Bachar el-Assad. Donc il faut l'aider, c'est tout. Ça, c'est l'intérêt des Français. Oui, donc c'est vraiment une position géopolitique qui a trait à la raison, quoi. Qui a trait à l'intérêt de la France et des Français. Il faut toujours raisonner dans l'intérêt. Tu sais, il y a des communautés qui vont, voilà, c'est bon pour nous, ça, c'est pas bon pour nous. Tu vois, certaines communautés, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Mais pourquoi nous, on réagirait pas en tant que Français, même en tant qu'Européens, on pourrait pas réagir aussi comme ça pour les nôtres d'abord? Ben, voilà, dans les relations géopolitiques internationales, on doit réagir en fonction de nos intérêts. D'accord, bon, tu m'as répondu sur la Syrie. Hier, je t'avais dit que je te posais des questions sur l'Ukraine, mais figure-toi que j'ai changé d'avis. Je ne veux pas poser une question là-dessus, je voulais m'expliquer un peu à mon public, c'est pour une raison simple. Je sais quel genre de personnes me suivent, et donc ce sont en général les 80% d'hommes patriotes, et parmi ces personnes, c'est simple, il y a des gens qui en ce moment même sont physiquement présents en Ukraine pour combattre d'un côté et de l'autre. Alors c'est une position qui pour moi est délicate, c'est un sujet que je ne... connais pas encore à la hauteur de ce que je devrais connaître pour en parler, donc j'ai décidé de faire une impasse dessus malgré toutes vos questions, à moins que tu veuilles spécifiquement me donner ta position au nom du Parti de la France sur le Donbass et sur... Là, très brièvement, moi ce que je dirais sans rentrer dans très spécifiquement sur le sujet, nous tout ce qu'on peut constater en tant que Français, c'est une guerre civile, on va dire européenne, entre Européens, oui, pendant que l'Europe est en train d'être envahie. Donc je pense que l'intérêt des Ukrainiens et l'intérêt des Russes, c'est sûrement pas de se faire la guerre, oui, mais justement d'essayer de préserver l'Europe européenne. Donc ce conflit, je le regrette, oui, et je pense que ça va contribuer à un affaiblissement et de l'Ukraine, et de la Russie, et de l'Europe en général. Donc ça n'a rien de bon, quoi. Ça n'a rien de bon. Une guerre entre Européens n'a jamais rien de bon. Si on en est là aujourd'hui, bon, je ne vais pas remonter non plus, mais je veux dire, la guerre 14, là où on est en train de célébrer le centenaire, ça a été une saignée. C'est là, le déclin de l'Europe a commencé quand on a envoyé à la boucherie toutes les forces vives de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, et le déclin de l'Europe a commencé là. Donc les guerres fratricides européennes, oui, sont toujours... Cet affaiblissement du sang pourrait avoir des conséquences terribles pour nous. Bah, exactement. Pour eux, déjà, bah, en général, ceux qui partent à la guerre sont quand même les éléments les plus sains d'une population, les plus vigoureux d'une population. Donc le carnage de la Première Guerre mondiale, qui s'est enchaîné avec la Seconde Guerre mondiale, qui est en fait la conséquence de la fin de la Première Guerre mondiale, a été une véritable saignée pour l'Europe, dont elle ne s'est toujours pas remise. Oui, donc c'est vraiment un sujet, nous aurons l'occasion d'y revenir, et puis je ferai venir sur le plateau, on va dire, pour rester objectif, et des personnes qui soutiennent le Donbass, et ceux qui soutiennent le bataillon d'Azov. On aura l'occasion d'y revenir assez souvent. Je voulais juste préciser que là, mon verre goûte. En fait, c'est pas moi qui ne sais pas boire, en fait, c'est Daniel qui ne sait pas servir. Il en a foutu partout, donc voilà, je voudrais juste quand même préciser ce détail. Tu préciser que t'es pas au degré d'alcoolémie ou voilà. On fait. Non, non, je suis. Oui, vous savez que je suis très maladroit, alors je tendance à faire plein de bêtises comme ça. Voilà. Ouais, mais je voulais préciser parce que c'est hyper important quand même pour la suite du. Oui, pour que tu restes crédible. Oui, voilà, c'est ça. Oui, tu sais, le mec, il est très sérieux sur ses trucs politiques, et puis il se met le truc dans la narine, il s'en fout de partout, quoi. Non, non, Thomas est sain, mais j'ai juste bu un tout petit peu plus que lui. Bon, c'est une question tellement large qu'elle pourrait faire l'objet de l'émission entière, mais les attentats de Bruxelles, on a vu, ils nous ont refait le coup du pan amalgame, et surtout, alors ça, bon, le pan amalgame, on sait à quoi s'en tenir, mais ils nous ont fait le coup de la réponse pacifique à une attaque mortelle. C'est quand même pas possible. Comment on fait pour arrêter ces gens-là, Thomas? Offre-nous la solution, les gens n'en peuvent plus. Ces connards qui mettent des petits cœurs face aux attentats, qu'est-ce qu'on fait contre eux, mon sang de bonsoir? Ah, écoute, je pense qu'il devrait être volontaire pour être en première ligne lors du prochain attentat. Quand on a atteint un tel degré d'ethnomasochisme, je pense qu'on est, on est plus apte à se reproduire. C'est des gens qui sont déjà morts. Ils ne savent pas encore, mais ils sont déjà morts. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'on est en guerre, sauf que personne ne veut faire la guerre. Parce que quand on fait la guerre, on tue nos ennemis. Il faut tuer ses ennemis. Mais là, ils ne veulent pas le faire. Là, ils en sont dans les jérémiades, les plaintes, les chouinements. Mais c'est un encouragement. Quand on a vu le jour des attentats, la responsable, c'est Madame Mogherini, je crois, la responsable de la diplomatie de l'Union européenne, a fait une déclaration en pleurant au micro. Ah, cette femme est une criminelle. C'est une criminelle parce qu'elle a fait voir le visage d'une Europe à genoux en chialant à la télé, alors qu'elle est responsable des relations diplomatiques. Tu vois, c'est quand même très important. Plutôt que d'avoir une réaction guerrière et vengeresse, elle s'est mise à chialer. Et donc, elle sera responsable, elle, des prochains attentats qui y aura, parce que évidemment, les barbus de Daesh, quand ils ont vu ça, ils se frottent les mains. T'imagines, tu fais chialer ton ennemi. Notre faiblesse les encourage. Voilà, exactement. Ce qu'il faudrait, c'est des gouvernants qui posent leurs grosses couilles velues sur la table et qui disent maintenant, on va... Voilà, je pense que la France et la coalition internationale a les moyens de vitrifier Raqqa, qui est la capitale de l'État islamique, où il n'y a presque plus de civils. Pourquoi ça n'a pas été fait? En tout cas, là, tu vas quand même assez loin. Tu veux dire, comment... Au moins, ils auraient pu... faire peser cette menace pour, on va dire, au niveau diplomatique. Ils viennent tuer des gens chez nous, tu fais pas peser de menace, tu leur envoies des tonnes de bombes sur la gueule, c'est ça faire la guerre. C'est pas commencer à dire on va créer une sous-commission diplomatique et leur dire attention, on risque d'envoyer des bombes. Il fallait que dans les 3 jours, on aille bombarder Raqqa et faire un carnage. Voilà, en disant vous en tuez un des nôtres, on en tue 1000 des vôtres. C'est ça faire la guerre. C'est ça que les gens auraient attendu, un discours guerrier, c'est-à-dire on est en guerre, et ben on fait la guerre. Ça, c'était essentiel. Alors de voir ces espèces de fiottes dégénérées à Bruxelles en train de décider des trucs de créer, ça vaut nos Charlie, quoi. Voilà, c'est lamentable, c'est un peuple européen qui est déjà mort et qui ne le sait pas encore. Voilà, donc il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui sont prêts à se battre Voilà. Et il faut savoir aussi des gens qui ne veulent pas mourir. Il y a des gens qui ont encore dans le sang qui coule, tu vois, on a encore le sang de nos aïeux qui sont allés se battre sur. Le meilleur moyen pour te prévenir des attaques, c'est au niveau politique, on va dire, de montrer sa virilité. Au niveau politique, c'est clair. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas 15 millions d'Afro-Maghrébins en France et puis des millions d'Afro-Maghrébins en Europe, il n'y aurait pas eu d'attentat. D'ailleurs, dans les pays, par exemple, de l'Est où il n'y a pratiquement, enfin, beaucoup moins de musulmans, il n'y a pas d'attentat. C'est un peu plus dur. Je veux dire, en France et en Belgique, on peut dire quand même qu'un Maghrébin il est comme un poisson dans l'eau. Oui, je veux dire, tu peux pas commencer à t'inquiéter dès que tu vois rentrer un Maghrébin dans les transports en commun. Bah oui, c'est un peu la normale. Voilà, c'est un peu la normale. Souvent, tu te retrouves sur certaines lignes de métro parisien, de RER, tu te retrouves souvent le seul blanc dans la rame de métro. Oui. Bon, bah voilà, c'est-à-dire c'est normal. Enfin, c'est-à-dire c'est normal, c'est beaucoup plus facile pour eux. C'est sûr qu'en... Mais même nous, on ne s'en choque plus. Quand tu rentres à Châtelet, tu te dis, il y a des noirs. Moi, je m'en choque toujours. J'ai du mal, je suis provincial. Je ne suis pas autant intégré à la Ligue de France africaine, j'ai encore beaucoup de mal. Mais quelquefois, ça ressource, tu sais, quand tu es à la campagne, en fait, et puis que tu as une vie quand même relativement préservée. Et je dis aux gens, mais je dis, allez de temps en temps à Paris, là, que ça vous fasse, allez à Gare du Nord, allez voilà, dans le 18e, allez à la Goutte d'Or, regardez bien. Et ça, c'est l'avenir de la France entière, quand vous voyez malheureusement tout ça. Donc c'est sûr qu'au niveau des attentats de Bruxelles, bon, la réaction est consternante, mais c'est toujours pareil, la majorité des gens est prête à accueillir un discours guerrier. Et aussi, si on est aussi les premiers touchés par les attentats, c'est aussi à cause des politiques étrangères menées par les différents gouvernants qui ne sont pas dans l'intérêt des Français. À chaque fois que des États occidentaux ont voulu aller faire la guerre au Moyen-Orient, à chaque fois, ça n'a jamais été, concluant. Ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il faut développer une coopération militaire avec le pouvoir en place de Bachar el-Assad et ne pas aller se mêler des affaires des autres, ne pas être les gendarmes du monde. C'est aussi pour ça que l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche serait une excellente chose pour les Européens. Mais il n'est pas interventionniste. Il n'est pas interventionniste, il veut arrêter d'être le gendarme du monde. Et quand on arrêtera d'aller expliquer au Moyen-Orient, qui est en fait a toujours été une poudrière depuis des milliers d'années, quand on arrêtera d'essayer d'aller s'ingérer là-dedans, je pense qu'on évitera des bains de sang sur notre propre sol. Bon, bah, j'allais te poser une question ensuite pour détendre l'atmosphère, mais je m'aperçois rien qu'en lisant le petit résumé que j'ai mis, qu'en fait ça m'énerve presque autant qu'un sujet international. Il y a 3 jours, je me suis encore fait flasher par un putain de radar. Qu'est-ce que... Dites-moi que si vous parvenez... Ce serait un argument, tiens, ça me ferait voter pour vous, là. Et je pense beaucoup de gens aussi. Qu'est-ce que vous allez faire contre ces radars? C'est pas possible, ce racket du peuple français, il y en a marre. Alors, bon, et voilà, la persécution fiscale des automobilistes est absolument insupportable. On est arrivé, parce que le but c'est pas de faire moins de morts, c'est devenu une rente de l'État. Bien sûr. Parce que encore, si le but de la sécurité routière était d'éviter des accidents, mais la plupart des radars sont dans des zones non accidentogènes. C'est-à-dire que quand tu as un radar dans une pente où si tu n'as pas ton pied sur le frein, obligatoirement tu vas dépasser la vitesse, c'est évidemment une pompe à fric. Donc voilà, le Parti de la France est très clair, on supprimera le permis à points. Là, que ce soit clair, parce que maintenant ça fait des centaines de milliers de gens, je sais plus, je crois que ça doit être 2 millions de gens qui conduisent sans permis. Ah oui, c'est énorme le nombre de gens, parce que si tu perds ton boulot, comment veux-tu faire? Tu perds ton taf, c'est que ça coûte de repasser le permis. Ah oui, non, mais en plus, c'est un mois de salaire, c'est une usine à fric. Donc voilà, ça ce sera terminé, la sécurité routière, le but sera de sauver des vies et de pas de piquer de l'argent aux gens. Peut-être qu'on pourrait imaginer, on supprimera, concrètement on supprimera les 3/4 des radars qui sont dans des zones non accidentogènes. Après, bon, on n'a pas non plus un programme spécifique là-dessus. On supprimera le permis à points. Ça reste un détail, mais il y aura peut-être une logique compensatoire, c'est-à-dire par exemple punir davantage les crimes routiers, c'est-à-dire vraiment des gens qui roulent comme des assassins et qui ont commis des meurtres récidivistes, peut-être en punissant au niveau judiciaire pour empêcher ces morts. Parce que quand même, on peut pas nier d'un autre côté qu'il y a des morts sur la route, quoi. Non, d'accord, mais je veux dire, entre une poufiasse qui envoie un SMS à 130 km/h sur l'autoroute, donc là c'est hyper dangereux, c'est une criminelle en puissance, on est bien d'accord. Et un mec comme moi qui téléphone, qui est à 10 km/h en ville et qui se fait gauler par les gendarmes et qui perd ses 3 points et je me prends une amende colossale, 135 € dans la tronche, je mettais en péril personne. Donc voilà, il faut une appréciation, une interprétation aussi du risque encouru pour les automobilistes. Et après tu vas dire que voilà, c'est systématique, je reviens toujours à l'immigration. Mais des statistiques ethniques. sur les accidents de la route, sur l'insécurité routière, parce que j'ai du mal à croire que, tu vois, ils soient surreprésentés dans les prisons françaises pour tout ce qui est de délinquance, de droit commun, criminalité, et qu'ils ne seraient pas surreprésentés aussi dans les accidents de la route, tu vois, j'ai un peu de mal, parce que, à croire que là aussi, ils ne seraient pas performants, tu vois, parce qu'ils sont vraiment performants sur certains trucs, tu vois, sur la criminalité, la délinquance, la démographie. Ils roulent comme des assassins, quoi. Bah, je sais pas, quand tu vois en général, je vois pas, dire, ils ont une façon de conduire très agressive, et je pense... Ils n'ont pas besoin d'alcool pour être un petit peu biscornus dans leur... Voilà, donc je pense que des statistiques ethniques seraient pas mal aussi dans les accidents. Enfin, savoir qui est responsable principalement aussi des accidents, qui conduit sans assurance, qui conduit sans permis. En général, la crainte, quand tu te fais rentrer dedans par un afro-maghrébin, la crainte déjà c'est qu'il se barre, voire qu'il te casse la gueule en plus, et aussi qu'il soit pas assuré, ce qui est le cas en général 9 fois sur 10. Parce qu'ils vivent dans un monde parallèle, tu vois, c'est... et toi tu te retrouves, tu t'es fait rentrer dedans, et comment... Bon bref. On revient toujours au même truc, mais c'est quand même assez essentiel. Donc. Et après aussi, alors ça c'est personnel, pas, pas non plus, je vais quand même pas dire que j'ai un problème avec l'alcool ou quoi que ce soit, mais qu'on me fasse aussi des statistiques d'accidents. Les mecs en train de se vider de merde. Moi je dis qu'on peut très bien boire. Exactement. Prendre le volant et moi ça. Donc, je suis persuadé que si tu fais des statistiques de mecs qui ont causé des accidents, ou de nanas, entre 0,5 g et 1 g. Tu vas voir très peu. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as bu 3 bières ou 4 bières que t'es un criminel en puissance. Alors évidemment, je parle pas qu'il faut conduire à 12 grammes ou ce genre de choses. Je veux dire, traquer les mecs parce qu'ils ont bu 3 verres, ou ils ont bu un apéro et 2 verres de vin, faut arrêter les conneries, c'est pas des criminels en puissance. Mais tu veux dire qu'avec l'alcoolémie normale du français, c'est pas ça qui crée les accidents les Non mais je veux dire, dans un truc raisonnable. Que le mec un verre à table, quoi. Le mec devient pas criminel parce qu'il a bu 3 verres à table. Bon, après, si tu prends la route, après 10 apéritifs, 4 bouteilles de vin et 12 digestifs, bon là, c'est notre cas. À la fin de l'émission. Oui, c'est très exceptionnellement. Et ça va devenir nettement moins intéressant pour les gens. Je sens en plus une désinvolture quand même. Plus l'émission avance, et je pense que c'est un petit lien avec l'alcool. Mais bon, donc, tu vas parler des statistiques techniques. Alors, elles n'existent pas non plus évidemment pour les meurtres, c'est beaucoup plus tragique, ça c'est encore un autre problème. Mais au-delà de toute façon du groupe ethnique auquel appartient un meurtrier, je crois savoir qu'au Parti de la France, vous êtes pour la peine de mort pour les meurtriers. Alors, est-ce que tu peux défendre cette thèse finalement, qui encore une fois semble réactionnaire, parce que la peine de mort, ça existe depuis des années. Même, comment on va dire, la numéro 2 du Front National, Marion Maréchal Le Pen, a dit qu'elle n'était pas pour la peine de mort. Enfin, après, je sais pas si elle est revenue, ou genre de truc. C'est-à-dire que même ceux qui sont censés amener le plus d'ordre... Ça vous distingue en tout cas à ce niveau-là. Nous, c'est surtout qu'on est resté voilà, sur nos positions. À mon avis, la peine de mort, en haut... de l'échelle de la pyramide des peines, la peine capitale, c'est la marque de toute société civilisée. Débarrasser la société de ses éléments les plus dangereux et les plus nuisibles de manière exemplaire est, à mon avis, essentiel dans tout système juridique digne de ce nom. Alors, par contre, je fais un distinguo, la peine de mort ne doit pas être une vengeance de l'État, une vengeance de la famille, même si c'est sûr que ça doit toujours faire plus plaisir d'avoir le type qui a tué ton gamin que le type passe à l'échafaud. Ça, on est bien d'accord. Mais le but de la peine de mort, pour moi, c'est de sauver des vies. C'est pour ça que de temps en temps, quand j'entends des gens, bon, évidemment, c'est des réactions de comptoir, des réactions instinctives, de dire « Ouais, les pédophiles, faudrait les tuer dès qu'il y a un type qui touche à... » Évidemment, le truc, c'est abject, s'en prendre à la pureté d'un gamin, c'est absolument immonde, abject, le type... mérite quand même une peine exemplaire. Mais le but de la peine de mort, c'est de sauver une vie, c'est de sauver un enfant. Si tu condamnes à mort tout pédophile, là, tu dis tous les pédophiles, tous ceux qui touchent un gamin, seront condamnés à mort. Qu'est-ce que fera le pédophile pour pas être gaulé? Il tuera l'enfant. Il tuera l'enfant. Et ça veut dire que tu auras échoué. La peine de mort, ça doit être appliquée pour sauver des vies. La peine de mort doit être, par exemple, les tueurs de flics. Faut savoir que si tu tues un flic, tu seras condamné à mort. Et bah tu le flagras peut-être pas, et t'auras sauvé une vie. Le but c'est de sauver des vies, c'est pas de tuer encore plus. Tu vois, pour moi l'objectif c'est de sauver un enfant. C'est sûr, on dit ouais. Alors j'ai entendu des cons qui me disent ouais mais l'enfant il sera violé donc sa vie elle sera détruite. Bah dans ce cas-là flingue-le. Bah tue-le. C'est pas vrai parce que malgré le choc il peut quand même reconstruire sa vie. Il vaut mieux qu'il soit en tant que parent tu préfères que ton enfant c'est pas. Oui voilà c'est ça. Qu'il soit violé, qu'il essaie de s'en ressortir, qu'il soit mort évidemment quoi. Donc voilà moi je pense qu'il faut utiliser la peine de mort pour sauver des vies. il faut utiliser la peine de mort comme un moyen de dissuasion. Oui, 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 c'est intéressant. C'est pas, voilà, c'est comme l'arme nucléaire. C'est comment tu, ça doit être dissuasif pour sauver des vies. Alors, ce sera pas quantifiable, puisque comment peux-tu, peux dire que tu vas sauver des vies grâce à ça? Non, mais la nuance que tu apportes est intéressante parce que elle laisse imaginer au public que tu n'es pas un assoiffé de sang. C'est simplement que la peine de mort doit avoir une utilité. Et l'utilité, c'est qu'il y ait le moins de gens possible qui souffrent des crimes qui ont été commis. Alors, qu'on soit bien d'accord. Oui, oui. Le pédophile... Ça ne veut pas dire qu'on va lui mettre 6 mois de prison avec sursis. Voilà. D'accord, quoi. La castration chimique, c'est une connerie. Voilà, je pense que déjà, la castration physique, ça... Tu vois, on était soft et la folie qu'on est mort. À mon avis, si on te coupe les couilles, tu vas quand même avoir, ça doit quand même réfréner quand même certaines pulsions. Tu dois certainement, en plus, tu dois grossir un petit peu, tu vois, comme les chats, souvent ils deviennent assez énormes. Et donc, non, je pense que la castration physique pour tout type qui a touché un gamin, et après l'emprisonnement à très long terme. Des grosses peines, en fait, dissuasives. Après, il n'est peut-être pas nécessaire non plus pour les pédophiles de les mettre dans des quartiers protégés, si tu vois ce que je veux dire. Donc après, il peut y avoir un règlement, on va dire... bah écoute, je veux dire, toi si tu vas en tôle, en tant que nationaliste... Ah, ne me le souhaite pas, parce que c'est compliqué. Non, je ne le souhaite pas, bah, bon, à mon avis, si, voilà, en général, on va se croiser. Si tu tombes, je te fais tomber avec moi, toi. Non, mais je veux dire, si tu vas en tôle, toi, tu crois que tu vas te protéger? Non. Voilà, donc bon, je veux dire, la prison c'est pour tout le monde. Puis je veux dire, dans un idéal c'est pas censé faire nationaliste, il n'y aura plus d'afro-maghrébins dans les prisons. Ah oui. Et donc en fait, on n'ira pas, je dirais pas avec plaisir, mais avec une forme de décontraction. Alors. Voilà, ce sera bon, tu vas pas rencontrer forcément des gens formidables, mais voilà, tu seras plus non plus considéré parce que bon, le petit blanc qui se retrouve en prison, s'il n'est pas gitan, voilà, il se retrouve avec les 2 ou 3% de blancs qu'il y a dans les prisons. C'est ça. Pas toutes, mais voilà, c'est sûr que un nationaliste en prison, il n'a pas la belle. C'est compliqué. Mmh. Ouais. Puisqu'on rigole, tiens, j'ai vu l'Eurovision. Alors, on avait eu Conchita il y a quelques années. Oui. Alors, un candidat, je sais pas quel pays, il veut chanter nu. Qu'en penses-tu? Bah, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est pas une vraie question. Hein. C'est pour cracher ton venin. Quoi. Oui, voilà. Non, mais dans la décadence la plus totale. Voilà. Après, je sais pas qui va être. Je crois que c'est un Israélien, le représentant français cette année, je crois. Il me semble. Hein, c'est vrai. Ouais, je crois. Ouais. D'accord. Pas bon. C'est tellement ridicule. C'est en fait, tu vois, c'est l'Europe décadente qui dit regardez, tu sais, pour faire voir aux. Comme on est progressiste. Oui, voilà. Non, mais aux envahisseurs afro-musulmans. Ouais. T'imagines quand ils voient Conchita Wurst. Oui. Non mais t'imagines, tu vois. Ah oui, c'est une invitation, quoi. Les mecs de Daesh qui veulent juste te décapiter parce que tu manges du saucisson. Et t'imagines, et ils voient, tu vois, la liberté européenne. La putain barbe. Voilà, non mais c'est même pas imaginable, t'imagines, je sais pas, nos poilus qui se réveilleraient puis qui reviendraient là, qui verraient ça, ils diraient mais non, c'est pas possible, tu vois. Même nous, dans nos cauchemars, tu sais, dans nos plus gros délires, on n'imaginerait pas ça, quoi. Bah écoute Hervé, non Hervé, excuse-moi, j'ai marqué Hervé là-dessus, donc non, on invitera Hervé Ryssen, bien sûr, on me l'a beaucoup demandé, il arrivera dans le courant de l'année, c'est un ami, il n'y a pas de souci. Mais oui, alors j'ai prévu pour le final, j'ai prévu un petit feu d'artifice, tu sais que Pivot à l'époque faisait le questionnaire Pivot. En fait, moi j'imagine le questionnaire Conversano, alors t'inquiète pas, c'est pas aussi, comment dirais-je... Je m'inquiète jamais, moi. Si, je te sens un peu inquiet là, je sais pas si c'est la rougeur de l'alcool, mais t'inquiète pas, c'est vraiment, en fait, c'est des questions généralistes qui sortent vraiment de l'aspect politique pour que les gens, après de nous connaître, on vient en profondeur. Alors, réponds-y vraiment. Articule. Réponds-y de la manière la plus instinctive qui soit, sans trop te prendre la tête. Voilà, et en restant dans la légalité, parce qu'en général, l'instinct est le... T'inquiète pas, normalement, tu devrais pas y glisser à moins que vraiment... Je vais être plutôt dans l'instinct de survie juridique. Alors. Voilà, exactement, ouais. Donc moi, je voulais te demander, Thomas, alors la première question, c'est quel est ton premier souvenir d'enfance ou ton meilleur souvenir d'enfance? Qu'est-ce que tu gardes de mieux de ton enfance? Oui, la comme question ça, non, mais de prime abord, soit le premier souvenir, soit un souvenir, je sais pas, qui te rappelle ta France, ta jeunesse. Je vais dire les fêtes familiales. J'ai été élevé par mes grands-parents, vraiment dans un cocon, quoi. Et puis les fêtes familiales, tu vois les cadeaux, les Pâques, tu vois tout ce qui est vraiment famille, quoi. Et puis c'est aussi que tu te dis, alors bon, je vais pas passer dans le mode voilà, tu sais, nostalgique, tout ça, mais le fait que tu te dises t'as pas assez profité de ceux qui sont partis. Ah, tu sais, parce que quand t'es gamin, en fait, tout le monde réagit ta vie. Tu vois, t'es toujours... Et tu te dis, merde, j'en ai pas assez pour... Mais ça, c'est tout le monde, en fait, est comme ça. Quand quelqu'un disparaît, tu te dis toujours, bon, à part certaines personnes où tu t'es content, tu te dis, putain, il est mort, ce con, quoi. On a tous des cons dans la famille. Oui, voilà, c'est ça. Mais je veux dire, sinon, comment tu te dis, merde, j'ai pas passé assez de temps, parce qu'en fait, tu réagis pas de la même façon. Tu vois pas à quel point c'était essentiel pour toi, parce que ça te paraissait énorme. Quand t'es gamin, tout te paraît normal. Enfin, je veux dire, l'encadrement familial te parle. Oui, t'as l'impression que rien ne va changer, que le monde est immobile. Et c'est très rassurant. Moi, je sais que mon grand-père est mort quand j'avais 14 ans. Et quand je suis sorti avec ma copine avec qui je suis toujours, souvent je me dis il aurait bien aimé la connaître, en fait, quoi. Et ça crée une nostalgie bizarre, en fait, que je pense que tout le monde ressent, mais c'est naturel, je pense, chez tout le monde, quoi. Dans cette même logique, toujours sur l'enfance. Moi, c'est une question que j'aime bien poser aux gens, au-delà de l'aspect politique, c'est est-ce que tu avais un rêve de gosse? Est-ce que quand tu étais gosse, tu voulais devenir quelque chose? Alors, tu sais, en fonction de la réponse, ça peut parfois être très déprimant parce que les gens se rendent compte, tu sais, qu'ils voulaient être ça. Oui, je voulais être star de cinéma, mais en fait, je suis un gros loser. Voilà. Non, mais je veux dire, j'ai raté ma vie. Genre, au-delà de la dimension politique, est-ce que tu avais des envies? Enfin, c'est quoi qui te passionnait quand tu étais gamin, quoi? Bah, ayant été élevé par un grand-père militaire de carrière, je voulais rentrer dans l'armée. Oui. Et en fait, j'ai pas pu parce que là, je porte des lentilles. Ah d'accord. En fait, je suis très myope. Et en fait, je pouvais rentrer dans l'armée, mais juste pour être gratte-papier. Donc moi, ça m'intéressait pas. De rentrer dans l'armée pour pas être sur le terrain. Et donc, on va dire mon grand regret, ça aurait été de ne pas pouvoir faire une carrière militaire. D'accord. Finalement, je me rends compte que ta réponse est assez triste parce que c'est un peu un rêve. Ah non, mais je suis pas là. Je me réveille pas la nuit en chialant, en disant putain, ou tu sais. Je veux me battre. Là où tu sais les paramilitaires là, qui se déguisent tout en permanence et qui se prennent pour parce qu'ils ont toujours raté. Parce qu'en général, plus le mec te parle de sujets, ça souvent dans le milieu nationaliste, c'est que les mecs, plus ils sont pointus, tu sais, sur les trucs paramilitaires, tout ça, moins les mecs, en fait, ont pas fait l'armée, ils ont juste fait leur service, tout ça. Parce qu'en général, un militaire qui s'est battu sur des théâtres d'opération, c'est pas lui qui va te prendre la tête avec ça. C'est vrai. Alors, en général, plus le mec te prend la tête avec des trucs militaires, moins il en a fait. Bon voilà, moi je prends pas la tête, j'ai même rien. Voilà, donc c'est. D'accord, mais t'avais ce rêve-là, enfin t'avais cette envie, gamin. Ouais, j'avais cette envie, puis bon, t'as toujours envie de faire. Mon grand-père, c'était un peu, il a pris le relais de mon père quand il est décédé, puis bon, c'est un peu l'image que tu vois. Puis, je veux dire, mon grand-père, il a combattu tout le temps. Je veux dire, il est rentré à Saint-Cyr, immédiatement, il a été mis dans la Seconde Guerre mondiale, il était prisonnier en Allemagne. Après, il a fait l'Indochine, il a fait le Maroc, il a fait l'Algérie. Enfin, je veux dire, il a toujours été en guerre pendant tout le temps où il était militaire. Il était en guerre en permanence. Donc, pourquoi il y avait cette oui voilà, et donc moi il m'expliquait tout son parcours, et forcément t'es plus influencé par le parcours de la personne qui t'élève que donc on peut dire du coup c'est normal que l'amour de la nation chez toi ait été précoce, parce que quand il y a cette envie militaire, c'est toujours lié à l'amour de la nation. On n'est jamais militaire quand on n'aime pas son pays, enfin c'est bien sûr, ça me paraît évident, quoi. Alors j'ai une question après qui est... en fait je l'ai écrite dans l'idée où j'allais la poser à tous mes invités, mais toi qui es marié, c'est un peu délicat. Je me demandais quel était ton type de femme, c'est quoi les qualités que tu aimes chez une femme en général? Ou ça peut être physique, ça peut être très bas du front, hein. Tu sais, tu peux te lâcher. Hein. Non, mais sur le sujet, je crois qu'il faut. Alors peut-être c'est le mec de 40 ans qui parle. Peut-être. Mais j'avais déjà ça dans l'idée. Entre ton type de femme, physique, tout ça, il faut penser à celle qui va être la mère de tes enfants et celle avec qui tu vas passer le restant de tes jours. Qui n'est pas forcément... celle qui te plaît physiquement. Voilà, celle qui te plaît physiquement, qui est une véritable poufiasse, et qui, et puis tu te damnerais pour passer une nuit avec elle. Voilà, ça, je veux dire, il y a une grosse différence entre ça et la femme qui va être la mère de tes enfants. Tu donnerais tes parents aux Allemands pour la coucher avec elle. Non mais voilà, c'est compris. Non mais je veux dire, c'est ça qu'à mon avis, alors là on parle même pas de nationalisme, à mon avis, tout homme doit penser, et pareil pour les femmes. C'est-à-dire qu'elle doit penser, est-ce qu'il ferait un bon père pour mes enfants? Avec quelle personne? Est-ce que quelque chose de et je vais passer les 60 ou même 80 prochaines années avec cette personne. Alors je dis pas, faut choisir juste la personne, tu sais, en disant bon, je m'en vais pas trop. Il y a un attrait physique qui est important, mais évidemment, c'est quelque chose de très personnel, mais il faut penser après si le but est de construire un foyer, bien évidemment. Mais moi, voilà, mon but c'était ça. Et c'est vrai que je suis très fier. Mes enfants, on te félicite. Tu sais, c'est pas. C'est vrai qu'avant c'était banal, d'avoir trois enfants, mais bon, aujourd'hui on est obligé. Je veux dire, là, comment, le plus dur c'est de les élever, c'est pas forcément de les faire, surtout pour les mecs, quoi. Voilà. Bon, c'est pas... c'est bien d'être honnête, c'est bien d'être honnête. Oui, non, mais voilà, c'est sûr que c'est un moment, et c'est sûr que ce que tu peux avoir, c'est, on parlait tout à l'heure de la vie professionnelle, de la vie politique, et de la vie familiale qui est essentielle. C'est-à-dire qu'il faut essayer de sacrifier aucun des trois. Et ça, c'est un truc qui est très difficile parce que forcément, il y a toujours. Dans la balance, il y a quelque chose. T'as toujours l'impression de ne pas en faire assez d'un côté. Et puis d'un autre côté, on va toujours te reprocher d'en faire trop pour un autre truc. Et ça se comprend. Ça se comprend. Moi, souvent, je suis parti le week-end dans des réunions de ce genre de choses. Et pendant cela, au détriment de ma vie de famille. C'est certain que moi, c'est un regret, mais j'essaie d'équilibrer. C'est-à-dire qu'à aucun moment, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont sacrifié malheureusement leur vie familiale par rapport à leur engagement politique, et ça, moi, je ne veux pas le faire. Ça, c'est tout à ton honneur. Parce que certes, le combat en vaut la chandelle, le combat pour la France en vaut évidemment la chandelle, mais d'un côté, sacrifier sa vie familiale, ses enfants, moi, je veux jamais que mes enfants me reprochent un jour en disant « mais papa, t'as jamais été là ». Et puis, qu'arrivé à 20-25 ans, ton gamin ce soit un étranger pour toi, ou que tu sois un étranger pour toi. Pour lui, oui, c'est encore pire, oui, tout à fait. Ah ouais, bon ça je pense que tu as répondu un peu tout à l'heure, le coin de France où tu te sens le mieux, ça peut être ta Picardie natale, on pourrait dire, où tu as des petits coins... Bah écoute oui, c'est certain que quand je suis en Picardie, quand je me sens chez moi. Et alors moi qui étais un citadin, j'étais en HLM quand j'étais petit, et qui suis un citadin, par contre maintenant je préfère largement la vie à la campagne. Ah oui, donc, je pense qu'avec l'âge aussi... sans te faire injure, moi je sais que j'aimais bien le côté, tu sais, fête, grande ville, Lyon, Paris, ça me casse de plus en plus les pieds. Là j'ai envie d'habiter dans une ville plus tranquille, tu vois, par exemple. Bah oui, après c'est selon, quand tu deviens père de famille, tu préfères pour tes gamins plutôt que d'être, je veux dire, passer d'un temps infini dans les transports en commun, avec la promiscuité avec les afro-maghrébins. Enfin, on revient toujours au truc, c'est le mec systématiquement dans c'est insupportable, quoi, voilà. Sur pas mal de sujets, en tout cas, ça conditionne tes choix de vie, quoi. Oui, voilà, c'est ça, mais bon, d'un autre côté, on pourra pas fuir, c'est pas ça, je ne délaisse pas, mais vivre en ville maintenant, voilà, quand je viens sur Paris, j'aime bien y venir, mais j'aime bien repartir, tu vois, dans la journée. Comme ça sera le cas aujourd'hui. Exactement. Oui, tout à fait. Je t'avais vu une fois dans une conférence dire quelque chose qui m'avait assez ému, tu disais que être nationaliste, c'est aussi retrouver le goût et l'honneur de mourir pour son pays. Et ça m'a inspiré une question qui a trait à la mort. Alors, je suis désolé un peu pour l'aspect un peu existentiel de cette question. Tu peux y répondre vraiment en deux phrases. Hein. Mais je voulais te demander si Thomas, est-ce que toi tu as peur de la mort? Parce que moi je te dis par exemple d'une manière honnête, je me considère comme quelqu'un de courageux, mais j'ai peur de la mort en ce sens que j'aurais peur de ne pas finir tous mes projets. Quelle est ta vision là-dessus Bah écoute, moi par exemple, tu vois, j'ai pas peur de la mort, mais par contre j'aurais peur pour l'instant de laisser les orphelins. Tes enfants en bas âge, oui, effectivement. Mais moi, j'ai pas de regret de choix de vie. Je suis pas là à regarder, on parlait de. Bon, j'ai pas été militaire, bon bah voilà, je suis pas militaire, et puis voilà, je fais autre chose, je me bats pour mon pays par l'intermédiaire de mon engagement politique. Moi, j'ai peur de la mort pour les autres. Ah oui, c'est vrai. Non, oui, c'est encore pire, finalement. Tu vois, mais je veux dire, j'ai peur de la mort, c'est pas ça. Par exemple, là, mes enfants, vu l'âge qu'ils ont. Le chagrin, tu veux dire que ça causerait la perte de ta femme, tes enfants. Mon grand-père. Quand il est décédé, il avait 87 ans, et puis il disait, de toute façon, maintenant tu as un boulot, t'es installé, t'as rencontré ta femme, il dit je peux partir tranquille. Bah tu vois, moi avec mes gamins ce serait pareil, enfin ils vont dire bon, le plus tard possible, hein, j'ai pas envie de... C'est pas parce qu'une fois qu'ils ont ça tu peux partir, mais il y a une tranquillité, quoi. Et après d'un autre côté je me dis bon bah voilà, j'ai pas... Après tu peux avoir peur de la mort en disant qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas fait, mais bon voilà, moi c'est un truc, c'est un détail, j'aime bien lire, mais j'ai pas le temps. Oui, c'est vrai. Alors par contre, je me dis putain, mais alors j'achète des bouquins, mais je les lis pas. Alors j'ai une tonne de bouquins à lire, et je me dis putain, ça, qu'est-ce que j'aimerais bien si j'étais rentier, oisif. Qu'est-ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir lire tout ce que j'ai acheté, parce qu'à mon avis, je mourrais avant d'avoir lu tous les bouquins que j'ai pu. C'est intéressant comme réponse. C'est une frustration finalement. La vie a tellement à nous apporter, il y a un peu ce côté. Voilà, c'est ça. Mais je vis absolument pas dans le regret. Oui, t'as pas l'air d'être ce genre de personne. Après, c'est peut-être aussi parce que j'ai un parcours qui n'offre pas le fait d'avoir des regrets. Je sais qu'il y a des gens, après, par rapport à... J'ai peut-être pas eu des coups du sort que certains ont eu, ou ce genre de choses, mais je suis pas du tout un gars qui vit dans le regret, je suis pas du tout un gars, on va dire, épicurien, qui mord la vie à plein dents. Voilà, donc voilà, je ne... Donc je pense que c'est une question de personnalité. Je suis pas véritablement introverti et angoissé, non. Tourner vers le passé d'une manière un peu naze, tu sais, genre très nostalgique, un peu bébête, quoi, tu vois. Enfin, pas bébête, mais qui nuit un peu au moral. Ouais, on a beaucoup ça dans nos rangs, on a beaucoup de nostalgiques, même des fois de périodes qu'ils n'ont même pas connues eux-mêmes. Il faut dire aux gens qu'on est tourné vers l'avant. Être nostalgique de périodes que t'as pas connues, ou ce que je dis souvent, se palucher sur des vidéos de la Seconde Guerre mondiale, et puis être absolument incapable d'avoir le moindre once de discipline dans sa propre vie, ce genre de truc. Bon, oui, mais de toute façon, faut pas vivre dans le regret, c'est surtout qu'il faut vivre. C'est comme, il faut aussi avoir une vie à côté de l'engagement politique. C'est ce que je me dis, j'ai des amis qui sont pas forcément nationalistes, bon évidemment ils tolèrent mon engagement politique, mais je veux dire je n'ai pas que des faf en amis, j'ai aussi je vais pas dire des gens normaux, mais des gens qui ne sont pas politisés, mais ça aussi ça fait du bien, parce que c'est sûr que le côté groupe, le côté communautaire, il est pas mal, mais c'est bien aussi de voir des gens de la vie de tous les jours, quoi. Pour moi c'est un besoin aussi de rencontrer des gens, et puis d'être au contact de tes compatriotes, c'est ça aussi, c'est essentiel. Écoute Thomas, il me reste deux questions. Sur celle-là, je suis à peu près sûr de connaître déjà la réponse. Si tu avais une baguette magique, quelle est la première chose que tu changerais en France? Une baguette magique ou un plein pouvoir politique, s'il revient à peu près à la même chose? Bah écoute, je rendrais la France gauloise. D'accord, donc tu feras en sorte que notre groupe ethnique redevienne majoritaire sur son propre sol, c'est ça en gros? Exactement, il y aurait autant d'immigrés qu'en 1900. On donnait à peu près. D'accord, bah c'est très immigrés extra-européens, bien sûr. Bien sûr. Parce que en fait, depuis tout à l'heure, je parle des. Cela dit, la remigration, même au 19e siècle, il n'y avait pas énormément d'Italiens et d'Espagnols. Oui, mais je veux dire, mesuré, quoi. Où il y a une grosse différence entre l'immigration qu'il y a pu avoir au 20e siècle, l'immigration polonaise, l'immigration italienne, l'immigration espagnole, même l'immigration portugaise, c'est qu'en fait, les gens, en l'espace d'une génération, ils ont réussi à s'assimiler, même pas s'intégrer, à s'assimiler. Et la chose la plus visible, c'est qu'ils ont donné des prénoms français à leurs enfants, et même certains Polonais ont pris des noms français, ils ont réduit leur... Enfin bon, bref, tu veux dire leur nom de famille. Leur nom de famille. Oui, c'est toujours la troisième partie, en fait, on a été coupé, la carte mémoire était full, c'est la première émission, excusez-moi, je teste un peu les trucs. En fait, on s'est battu. T'es pas d'accord sur une question, j'ai mis mon poing dans la gueule, et il m'a mis son pied, enfin c'était la folie, quoi. Donc, oui, alors j'en étais à la question sur... le coup de la baguette magique, je sais même plus, je sais pas si c'est l'alcool, écoute, mais je sais même plus si tu m'as répondu. Si je t'ai répondu, je rendrais la France aux Gaulois et que on arriverait à une immigration extra-européenne qui serait équivalente à celle de début du 20e, quoi, en 1900, qui était juste anecdotique. Oui, c'est-à-dire une immigration qui n'est même pas, qui ne transforme pas le visage culturel, l'atmosphère, on pourrait presque dire de l'Europe, quoi. Oui, voilà, exactement. Alors. Puisque j'ai employé le mot Europe, tu vois, j'ai mis la réponse que j'aurais donnée moi. Comment tu résumerais l'Europe en un mot, ta vision de l'Europe? En un mot ou une expression? Bon. En un mot, je dirais civilisation. C'est-à-dire que, l'Europe, c'est notre civilisation. Enfin, en gros, c'est notre continent, c'est notre civilisation, et qu'il est absolument impératif de développer notre instinct de survie, parce qu'actuellement cette civilisation est en danger, et il est tout à fait possible. Je veux dire, tous nos ancêtres, jusqu'alors, sont quand même pas morts pour rien. Ils sont quand même pas morts pour qu'en l'espace de 50 ans, l'Europe devienne afro-maghrébine, devienne la poubelle du tiers-monde. Oui. Donc voilà, il faut réveiller notre instinct de survie, réveiller nos défenses immunitaires et identitaires, et justement sauvegarder ce qu'on nous a transmis. Pour sauver nos modes d'existence. Oui, et puis je veux dire, nos pères, ils n'ont pas hérité de la nation, de la civilisation européenne comme d'un cadeau, ils l'ont bâti de leurs propres mains. Et je veux dire, c'est à nous de transmettre cet héritage déjà à nos enfants, à nos petits-enfants, et c'est surtout à nous de le défendre. Voilà, c'est notre devoir. À partir de avant de parler de droit, on a des devoirs, et dans une civilisation qui est en plein déclin, et ben voilà, il faut se défendre. On nous dit qu'on, je l'ai redit 10 fois, mais on nous dit qu'on est en guerre, et ben entrons en guerre. Donc civilisation, c'est le bon qu'on retiendra. Je te remercie Thomas. Je voudrais avant quand même de terminer que tu dises, voilà, si quelqu'un a entendu parler du Parti de la France pour la première fois ce soir, comment est-ce qu'il peut vous rejoindre? Eh bien écoute, on a justement notre congrès début mai, le 7 mai à Paris, Donc il est possible d'y assister même si on n'est pas adhérent du Parti de la France, mais seulement l'après-midi. Donc il faut s'inscrire, il faut aller sur notre site, vous tapez Parti de la France dans Google, vous tombez directement dessus sur notre site, et vous pouvez vous inscrire pour participer à notre congrès qui aura lieu donc à Paris le 7 mai, et il est ouvert l'après-midi aux gens qui ne sont pas membres du Parti de la France, et ce sera l'occasion de découvrir le Parti de la France à travers ses cadres, à travers son président, son futur président, bon, il n'y a pas trop de doute, hein, le futur président du Parti de la France, mais aussi à travers ces cadres, parce que nous, on met en avant aussi les jeunes. Là, il y a des jeunes qui n'ont jamais pris la parole, enfin bon, qui ont préparé quand même leur truc, c'est pas plus l'école des fans, mais je veux dire, qui ont préparé, voilà, on met en avant des nouveaux visages, parce que, nous, on estime que la politique, c'est avant tout des convictions, c'est avant tout des idées qui doivent être défendues, de dire la vérité, et c'est pas à travers juste le culte de la personnalité de quelqu'un, le culte d'un clan, qui soit familial, qui soit politique, et donc on souhaite mettre en avant nos militants les plus aguerris, mais aussi la relève, la jeunesse. Et bien donc, on aura des gens comme Roger Hollande, qui est président d'honneur du Parti de la France, d'ailleurs que tu vas peut-être aussi inviter dans cette émission. Ah, mais je lui dirais de venir, que tu es un mec sympa. Et puis bon, malgré son âge, si tu l'emmerdes, il te mettra un pain dans la gueule. Si tu te révèles trop insolent, il sera un remettre à ma place. Exactement. Et donc, voilà, il y a des gens comme Roger Hollande, ou des jeunes un jeune étudiant qui a 21 ans qui prendra la parole. Enfin voilà, on va essayer justement d'offrir. Nous, ce qu'on propose d'être, c'est la structure d'accueil des gens qui ne se reconnaissent plus dans l'offre politique actuelle, les déçus du souverainisme, aussi les déçus du Front National, et ceux qui veulent agir dans le sens d'une reconquête nationale, de la défense de la France aux Français, de l'Europe aux Européens. On est dans cette optique de rassembler sur l'essentiel et de dire qu'il est toujours possible de changer les choses, toujours possible de décoloniser la France, toujours possible de redresser notre nation et de lui redonner le lustre qu'elle n'a plus aujourd'hui. Mais voilà, c'est un message d'espoir. Si on n'y croyait pas, on ne le ferait pas, parce qu'il faut quand même dire qu'au Parti de la France, on ne fait qu'avec nos moyens militants. Il faut dire que chaque euro qui est par exemple donné au Parti de la France se transforme en tract ou en affiche. Il n'y a personne, il n'y a que des bénévoles, il y a zéro permanent au Parti de la France, contrairement à un autre parti politique auquel j'ai appartenu, où j'ai beaucoup tapé. Mais si on avait le quart du dixième des moyens qu'avait le Front National, on arriverait peut-être à toucher un peu plus la population. Mais bon, voilà. Donc c'est important que les gens adhèrent aussi pour... Oui, voilà, parce que nous, tous nos moyens de propagande sont gratuits. Oui. C'est-à-dire qu'on donne les autocollants, on donne les affiches, on ne fait pas payer les réunions, on essaie aussi de les faire gratuites quand on peut. Là, par exemple, ça coûte une fortune d'organiser un congrès à Paris, donc forcément l'entrée sera payante, mais c'est 10 € ou 5 € pour les revenus les plus modestes. Donc voilà, on a essayé vraiment de réduire au maximum les frais pour les gens, mais on est obligé, on ne prend pas 5 € juste pour gratter 5 € ou 10 € aux gens. C'est parce que voilà, ça coûte une fortune d'organiser un congrès à Paris, et on ne souhaitait pas le faire dans une salle sordide de banlieue parisienne où les gens auraient eu du mal à... Oui, vous ne gagnez pas d'argent, vous en demandez pour pouvoir survivre et militer, quoi. Et voilà, et défendre des idées qui ne sont plus défendues par personne. Bah écoute, merci Moment de Thomas, merci à toi. De ton humour, de ta gentillesse, de ta décontraction. Merci à vous de commencer à nous suivre. La semaine prochaine, on recevra deux amis suisses, deux frères patriotes, artistes malpensants, et puis les gars de Renaissance Helvétique, donc des frères nationalistes, et à mon avis, on va bien rigoler. À bientôt. Au revoir. Super.